Bah voilà, c'est un peu c'est la fin du voyage, c'est le terme du road movie. Vous allez voir, comme toute fin du road movie, ça se termine forcément mal, en tout cas dans le film, mais pas sur l'écran. Alors c'est vrai que ça a été compliqué pour Sorcerer, parce que je crois que ça fait partie, ça a failli devenir un peu l'Arlésienne, hein, Sorcerer. Depuis le début, on se dit on va projeter Sorcerer, et puis difficulté de récupérer le film, les droits. Alors, à titre indicatif, qui a déjà vu parmi vous ce film? Ah oui, donc c'est la première fois que vous êtes aussi nombreux à avoir déjà vu le film. Et qui l'a vu au cours des 2 années qui viennent de s'écouler? Voilà, autre part, j'arrête. Qui l'a vu? Il l'avait vu il y a par exemple 5 ou 10 ans. Voilà. En fait, voilà, ça c'est la réalité de ce qu'a été enfin, le convoi de la peur, oublions d'ailleurs ce titre, hein, qui était d'ailleurs une mauvaise référence française à la fois au film original, même si c'est un remake très très lointain, en l'occurrence le film de Clouzot, Le salaire de la peur. Et le convoi de la peur envoyait aussi, au moment du choix du titre français, au dernier succès en date de William Friedkin, qui était L'Exorciste. Donc ils se sont dit, le convoi de la peur, à la fois ça renvoie à Clouzot et à L'Exorciste. Double mauvaise idée, quand vous verrez évidemment le film, et qui explique peut-être en partie évidemment l'échec colossal, hein, de Sorcerer. Tout ça pour dire que moi je me souviens, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, Sorcerer faisait partie de ces films, de ces pépites, c'était un petit peu le Graal de films qu'on avait beaucoup beaucoup de mal à trouver. Et quand on le trouvait généralement dans une copie qui a très très longtemps circulé, jusqu'à à peu près 2-3 ans, qui était une copie de très mauvaise qualité, en un tiers, c'est-à-dire en 1,33, c'est-à-dire pas du tout au format, avec des petites séquences en moins, enfin un véritable massacre intégral. Et pourtant, on avait le sentiment, en gros, c'est comme si on prenait Apocalypse Now, qu'on le délavait et qu'on essayait de mettre un écran carré dessus et qu'on nous montrait ce film-là. Il n'empêche que même dans cette version-là, personnellement, c'est un film que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours trouvé absolument extraordinaire. Et je pense, et encore aujourd'hui, que c'est le meilleur film de William Friedkin. Et quand on sait que William Friedkin est un des plus grands cinéastes américains de ces 40 dernières années, le meilleur film de ce type-là, c'est pas rien. Voilà. Alors, pourquoi 2-3 mots quand même sur ce film, qui a donc été restauré, comme le disait Jean-Paul. Maintenant, il a une copie absolument sublime. Friedkin a d'ailleurs été venu à la Cinémathèque le présenter il y a un an et demi. Et c'était assez drôle d'ailleurs de voir combien, il y a encore une dizaine d'années, Le Convoi de la peur, la plupart des gens n'avaient pas vu ce film. Et au moment de la Cinémathèque, moi, je m'amusais avec un ami critique en disant, si on avait posé ce jour-là une bombe sur la Cinémathèque, il n'y aurait plus le moindre journaliste culturel ou cinéma en France. Tout le monde était venu voir Friedkin présentant le Convoi de la peur. Alors, il faut rappeler, mais on en parlera sans doute un peu plus longuement après, c'est que ce film, il est important pour 2, 3 raisons. D'abord parce que c'est le 7e film de William Friedkin. Il faut se rappeler que William Friedkin appartient à cette génération dont on a beaucoup parlé il y a 2 ans, qui est évidemment celle de Nouvelle Hollywood. Il fait partie de ces 5 ou 6 cinéastes qui ont vraiment contribué à forger le nouveau style, hein, de ce cinéma américain des années 70. C'est un cinéaste en 1935, qui est né à Chicago, hein, qui a réalisé ses premiers, qui a fait de la télévision d'abord, du documentaire, du direct, de la docu-fiction comme on dit. Il y a dans sa carrière un premier coup qu'on oublie parfois, c'est que sa première œuvre, si on veut, c'est un documentaire qu'il va réaliser sur la vie d'un condamné à mort, qui s'appelle Paul Crump. Cet homme est dans le couloir de la mort, il attend son exécution. Et le jeune William Friedkin, qui travaille à ce moment-là à la télévision, pour une télévision de Chicago, décide d'aller tout simplement voilà, faire un petit documentaire, mais à l'époque il apprend à filmer, il ne sait pas trop comment faire, un documentaire sur ce condamné à mort. Et son idée, à l'époque, on est au tout début des années 60, son idée, c'est de non pas de faire un film, on pourrait dire, empathique, un film à charge même, ni un film totalement, on pourrait dire, clinique, froid, c'est de faire un film qui se réinterroge sur les raisons pour lesquelles ce type-là a été condamné. Et faisant ce petit documentaire-là, Friedkin va mettre en fait à jour toutes on pourrait presque dire, les vices de forme, tous les défauts de la procédure, et il va révéler finalement que le motif pour lequel ce type-là est dans le couloir de la mort et attend son exécution, ces motifs sont plus que fragiles, voire inexistants. Moralité, le gouverneur de l'État de l'Illinois, qui est donc là, évidemment l'État dans lequel est Chicago et Friedkin, va voir le film et, suite à la vision de ce film, qui s'appelle The People versus Paul Crump, va décider non pas de gracier l'homme qui est condamné à mort, mais de commuer sa peine en une peine de prison à vie. Bon. Pourquoi je vous raconte ça? Parce
qui me semble, mais c'est personnel, il me semble que dans la future trajectoire de Friedkin, ce moment-là, il est absolument capital. C'est-à-dire que c'est le moment où un jeune cinéaste qui a, comme tous ces types-là, à la fois cinéphile, qui a voulu faire du cinéma, dit-il, en découvrant Citizen Kane d'Orson Welles, donc qui est sensible à Citizen Kane, qui adore John Huston, lorsque ce type-là va passer derrière la caméra et faire son premier film, ça se traduit presque par l'idée que, grâce à un film, on peut sauver la vie de quelqu'un. Et je suis convaincu que dans la psychologie de William Friedkin, cette espèce d'hubris complètement fou qui va l'atteindre à un moment, ce côté assez mégalomane, hein, il le dira lui-même, hein, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, William Friedkin, et la folie de ses films vient aussi finalement de ce moment un peu étrange où en 62, il s'est rendu compte que lui, William Friedkin, si, grâce à un film qu'il peut faire, il peut sauver la vie de quelqu'un. Ce qui donne, à mon avis, un sentiment de pouvoir assez particulier. Et je suis convaincu que ce premier film-là aura une influence capitale sur la future trajectoire de Friedkin, au moins de 62 hein, jusqu'à 78, enfin 77, qui est la date de sortie de Sorcerer, puisque évidemment la carrière de Friedkin, elle va crescendo. Hein, il va faire des petits films, il va adapter à Pinter, Les Garçons de la Bande, L'Anniversaire. Il va être un des premiers à traiter de l'homosexualité au cinéma. Et puis 71, il est appelé par les studios et il va faire son premier film pour les studios qui va être donc French Connection, succès absolument colossal. L'Oscar, 2 ans plus tard, L'Exorciste, 3e recette de l'histoire de tous les temps dans le cinéma américain. Donc ce type-là, en 73, il est sur le toit du monde, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que, et c'est intéressant parce qu'on se dit que Sorcerer, le film qui va venir après, vient et le produit de cet état d'esprit-là. Hein, lorsque William Friedkin vient de sortir L'Exorciste, il fait partie de ces 3-4 cinéastes qui peuvent tout demander aux studios. Les studios n'attendent qu'une seule chose, après l'homme qui a eu les Oscars et le box-office, qui est la totale, il peut tout faire. Et il va quand même attendre, hein, il va lui falloir quand même 4 ans avant d'accoucher de Sorcerer, alors que ses autres copains continuent à faire des films, etc. Il y arrive beaucoup de choses, notamment il va créer au début des années 70 une sorte de petite maison de production qui s'appelle la Directors Company, puisque d'un seul coup les studios voient que ce type-là a du succès, et il décide de réunir 3 cinéastes en leur disant, ces 3 cinéastes-là, c'est Coppola, Bogdanovich et lui, qui vont créer la Directors Company en lui disant, écoutez, vous pouvez faire tous les films que vous voulez du moment maintenant que leur budget ne dépasse pas 3 millions de dollars, vous prenez 10% des bénéfices, et c'est comme ça que ces 3 types-là sont en train presque de réaliser le rêve de l'auteur à l'européenne, à l'intérieur des studios. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est dans ce petit cadre que vont être produits, comme en secret de Coppola, Paper Moon, d'avoir Papa de Bogdanovich, et ensuite Daisy Miller, etc. Et Friedkin finalement ne travaillera jamais dans ce petit cadre-là. Mais il va mettre du temps avant de trouver son prochain projet. Il y a plusieurs projets entre L'Exorciste et Sorcerer que Friedkin va évaluer, sur lesquels il va éventuellement travailler. Alors c'est assez drôle de se dire que parmi ces projets, il y a Serpico de Sidney Lumet. C'est pas lui qui évidemment le fera. Il y a Né un 4 juillet, tiré du bouquin de Ronkovitch. Souvenez-vous que Né un 4 juillet, ça sera finalement Oliver Stone qui le réalisera des années plus tard, alors qu'après le refus de Friedkin, il y aura aussi le désistement de Michael Cimino, ça sera finalement Oliver Stone qui réalisera Né un 4 juillet. Donc il a Cruising, un film qui compte faire assez vite, hein, sur l'histoire, vous l'avez peut-être vu, ça deviendra un film en 80 avec Al Pacino qui raconte l'histoire d'un serial killer qui sévit dans les milieux homosexuels de New York. Sachez quand même que Cruising a failli être réalisé à l'origine par Steven Spielberg. Ça aurait été intéressant, j'aurais aimé voir le Cruising de Spielberg. Et donc il a plusieurs projets avant finalement que l'idée lui vienne. Ils sont à l'occasion d'un entretien avec un journaliste qui lui demande les films qui l'ont vraiment marqué. Et là, spontanément, il répond, alors à la fois Citizen Kane, etc. Et il répond Le Salaire de la Peur de Clouseau. Film qu'il n'a vu en fait qu'une seule fois, 25 ans auparavant, mais qui a laissé en lui un souvenir impérissable. Et commence à travailler en lui cette idée, finalement, de faire un remake du film de Clouseau. Mais Friedkin s'appelant Friedkin, il est hors de question de se mettre dans les pas d'Henri-Georges Clouseau, même s'il reste respectueux à l'égard du maître, même s'il va lui dédicacer finalement Sorcerer, le film que vous allez voir là est dédicacé à Clouseau. Il connaît très très bien Clouseau, Friedkin, et surtout les diaboliques qu'il adore. Et moi je me souviens être parti il y a 3 ans aller le voir à l'époque pour une chaîne de télévision en lui demandant est-ce que ça vous dirait de parler de Clouseau, et très gentiment pendant 2 jours il m'a parlé de Clouseau, il a révisé ses Clouseau, il apprenait à dire les titres en français, c'était assez émouvant d'ailleurs. Il avait revu tous les Clouseau pour pouvoir parler de Clouseau, donc il est vraiment attaché à Henri-Georges Clouseau.
Et en même temps, et lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tant le remake que de repartir de l'histoire originale, hein, l'histoire de Georges Arnaud, Le salaire de la peur. Et surtout, il le dira, au fond, cette histoire, elle a quelque chose d'éternel, d'universel. Il dit, c'est un peu comme Hamlet, peu importe, finalement, il y a Clouseau est passé par là. Il a fait un film formidable, et moi, c'est pas du tout ce que je vais faire. Et lui, il décide, évidemment, d'aller alors, je ne dis rien du film que vous allez voir, mais à la fois, le film n'enlève rien à ce qu'est le film de Clouseau, qui d'ailleurs, à titre personnel, n'est à mon avis pas le meilleur Clouseau, mais le réinvente, et on a, au bout de deux heures que dure le film, on a complètement oublié, évidemment oublié le film de Clouseau, c'est complètement autre chose que vous allez voir. Alors le problème, c'est qu'on est donc, j'essaie de faire un peu vite, parce que là, tout ça, je parlerai après du tournage, une fois que vous aurez vu le film, mais ce qui est très intéressant, c'est que Friedkin, et d'ailleurs j'ai amené ici, ça peut vous intéresser, là, il a sorti il y a un an et demi une autobiographie. Alors c'est un peu Prince de Légende, son autobiographie. Non, ça c'est pas ça. Non. Ah oui, voilà, j'avais amené deux bouquins. Friedkin Connection, ça vous intéresse? Alors là, pour le coup, j'aime pas dire ça, mais c'est, vous savez, c'est un livre d'été, c'est très agréable, sur la plage, plutôt que de lire des conneries, bah, vous lisez ça. Hein, c'est super bien, ça raconte l'histoire, c'est Friedkin, son autobiographie, sur laquelle il bosse depuis 2-3 ans. Alors encore une fois, il imprime sa légende, c'est-à-dire que, vous savez, comme à l'américaine, il faut croiser les sources. Bon. Mais ce qu'il raconte est quand même absolument passionnant, et notamment sur le tournage du Convoi de la peur. Et à cette époque-là, Friedkin est donc le Wonder Boy d'Hollywood, hein, un peu comme Coppola, avec lequel il se sent d'ailleurs assez en concurrence. Et ce n'est pas inintéressant que Coppola partit aux Philippines dans son tournage monstre herzogien qu'est Apocalypse Now. William Friedkin, lui, décide de partir aussi, hein, dans une contrée pas possible. Alors qu'au début, il avait choisi plusieurs lieux de tournage qui devaient être l'Amazonie, hein, et l'Équateur. Pour lui, l'endroit idéal où il devait tourner, c'est l'Équateur. Mais lorsqu'il va voir le studio Universal qui lui dit « je veux tourner en Équateur », il lui dit « c'est absolument impossible. Aucune assurance n'acceptera, vous allez tous vous faire flinguer. Aucune assurance n'acceptera, évidemment, de travailler, d'assurer les acteurs, les techniciens, etc. etc. » Tout est extrêmement cher, mais à l'époque, Friedkin n'en a que faire. C'est-à-dire que seul compte sa vision artistique, et même s'il faut dépenser $1 million pour un plan, il est prêt à le faire. Et personne ne lui dit non, parce qu'il s'appelle William Friedkin et qu'il sort du succès de L'Exorciste. Et donc, il a comme ça plusieurs endroits qu'il va voir, jusqu'au jour où le président de la Paramount, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un type qui s'appelle Charles Bedon, lui, est quelqu'un qui, comme souvent dans le milieu du cinéma, a des activités un peu diversifiées et pas toujours extrêmement nettes. Disons qu'il s'occupe de la Paramount, mais il est aussi le président de Gulf & Western. Et Gulf & Western, c'est une espèce de gigantesque, on pourrait dire, conglomérat, consortium, entreprise qui à la fois travaille dans le lait, le sucre, la raffinerie. Et c'est lui qui, grosso modo, détient la République dominicaine. Grosso modo, le poumon économique de la République dominicaine, c'est Gulf & Western, cette entreprise américaine, dirigée en l'occurrence par le patron de la Paramount. Et Charles Bedon dit à William Friedkin, non, vous n'ennuyez pas à aller tourner en Équateur, au Mexique, en Amazonie, j'ai un lieu pour vous qui m'appartient quasiment. Les hommes de pouvoir, les politiques, tout le monde est à ma botte, c'est la République dominicaine. Et c'est comme ça que William Friedkin va se retrouver à aller tourner en République dominicaine, même si c'est pas son premier choix, il y a d'autres endroits qu'il préférait vraiment, et ce qu'il cherche avant tout, c'est évidemment une espèce de village qui est, vous allez voir, hein, qui est une vision possible de l'enfer sur Terre, quoi. Hein, le village du bout du monde. Cela dit, ça pourrait devenir aussi un lieu touristique. Hein. Donc quelque part, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, et il va donc tourner en République dominicaine. Je ne vous raconte pas, évidemment, on le verra après, comment va se passer le tournage, assez homérique. Sachez cependant, avant de voir le film, parce que l'échec du film, il est passionnant, on y reviendra. Il y a sans doute plusieurs raisons. La première chose, c'est que le film sort en 77. Et quand on parle du Nouvel Hollywood, pour ceux qui ont quelques mémoires de ce qu'on se disait il y a deux ans, le Nouvel Hollywood en 77, le cinéma américain en 77 et le public américain n'est plus du tout le même que celui de 72-73. Il a considérablement changé. Et c'est Friedkin qui est dans sa tour d'ivoire, hein, enfant capricieux, artiste capricieux, ne le voit pas et il va recevoir comme un boomerang, hein, le retour du réel de l'industrie du divertissement américain à la fin des années 70. Il sort, rappelons-le quand même, une semaine après Star Wars. Bon. Il y en avait un qui devait perdre, évidemment. Hein. Et ça sera évidemment le film de William Friedkin. Ce qui fait que le contexte est aussi intéressant parce que lorsque le film sort, il sort tardivement dans les années 70. Et à ce moment-là, c'est déjà plus du tout le même type de film qui est attendu de la part du public qui, entre-temps, a muté. Et ça,
En 4 ans, Friedkin ne l'a pas vu et il le dira plus tard. Il s'en est pas rendu compte. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que Friedkin, à l'origine, va chercher pour écrire donc le scénario. Il a le bouquin de Georges Arnaud, il a le souvenir du film de Clouzot, qu'il ne revoit pas d'ailleurs. Et pour le scénario, il va chercher un scénariste mythique, pour ceux qui s'intéressent au cinéma du Nouvel Hollywood, c'est Wallon Green. Wallon Green, c'est l'homme qui a écrit le script de La Horde Sauvage. Voilà. Alors évidemment, il adore le film de Peckinpah, qui pour lui est un plus grand film jamais réalisé. Wallon Green est un type qui a fait du documentaire extrêmement lettré, très cultivé, et lui demande d'écrire le script de Sorcereur du Convoi Sauvage. Et il a donc son scénariste, il a d'autres techniciens qui l'embauchent. Et dernière chose, concernant les acteurs. Parce qu'il faut savoir, mais je pense que certains d'entre vous le savent déjà, qu'à l'origine, les 4 personnages, les 4 acteurs principaux qui jouent dans le film, n'étaient pas du tout les 4 qu'avait prévu William Friedkin. William Friedkin voulait comme premier acteur Steve McQueen. Et c'est en parlant du projet à Steve McQueen, disant j'ai envie de réaliser ce film-là d'après Sœur de la peur, Steve McQueen dit pas de problème, d'accord. Et lorsque Friedkin écrit, il écrit le script avec Steve McQueen en tête. C'est-à-dire que le rôle qui finalement sera récupéré par Roy Scheider a été écrit pour Steve McQueen. Et puis il pensait faire un casting all-star, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire avec 4 stars internationales et pas uniquement américaines ou européennes, qui étaient donc Steve McQueen, Marcello Mastroianni, Lino Ventura et Francisco Arrabal. Et Amidou. C'était, voilà, c'était en gros le casting dont il rêvait. Le problème, c'est qu'au moment où il finit le script, il va voir McQueen en disant voilà, le script est écrit, on part tous en République dominicaine, hein, et puis c'est pas 4, 5, 6 semaines de tournage, il y a une séquence de 12 minutes dans le film qui a nécessité 3 mois de tournage, on est parti pour 1 an. Et McQueen à l'époque, et souvent c'est ça l'histoire du cinéma, pour des raisons intimes et personnelles, vient de se marier avec Ali Magro, vous connaissez peut-être l'actrice Ali Magro, et bon, il est amoureux, il est aussi un peu jaloux, voire un tantinet paranoïaque, et il n'a pas envie de la laisser loin de lui pendant longtemps. Voilà, c'est ça la raison principale. Et il dit à Friedkin, à ce moment-là, pourquoi tu vas t'ennuyer à aller tourner en République dominicaine, on a tout ce qu'il faut aux États-Unis, ou voir à la frontière du Mexique, tu trouveras tout ce que tu veux comme décor. Et Friedkin, à l'époque, qui le dit lui-même, hein, à la fois arrogant, aveugle, dit non, mais tu dis que tu as adoré mon script c'est République dominicaine, c'est là que ça va se passer. Alors Steve McQueen fait quand même un effort en lui disant, bon, alors peut-être tous partir en République dominicaine, mais je ne peux pas m'éloigner d'Ali Magro, est-ce que tu pourrais pas lui trouver un rôle féminin, lui écrire un rôle féminin? Et là, Friedkin lui dit, tu as adoré le script, comment tu veux massacrer ma vision, etc., etc. Hors de question qu'on écrive un rôle féminin, d'accord. Et dernière chose que lui demande McQueen, puisqu'il a refusé les 2 précédentes, est-ce que tu pourrais pas lui trouver un poste, notamment de productrice exécutive? Et Friedkin refuse, hein, pour la même raison, non, l'architecture est prévue, etc. Et donc McQueen se désiste. Alors, pendant longtemps, ça fera partie de la légende de Sorcereur. Qu'est-ce qui serait passé si McQueen avait dit oui? La question, elle est là. Puisque McQueen se retirant, Lino Ventura commence à se dire, oh là là, ça commence à sentir le sapin, cette histoire. Donc, Lino Ventura s'en va. Mastroianni, lui, s'en va aussi pour des raisons intimes, puisqu'à l'époque, il est séparé de Catherine Deneuve, et Catherine Deneuve ne veut absolument pas que Mastroianni parte avec sa fille à l'étranger, en l'occurrence Chiara. Donc, il choisit entre sa fille et le film, le choix est vite fait. Hein. Moralité, il va être obligé de choisir d'autres acteurs, puisque ceux qu'il avait prévus à l'origine disparaissent. Et donc, il va chercher Roy Scheider, qui, quand même, aux États-Unis, est quand même un acteur d'importance, puisqu'il a tourné dans French Connection. Et il a été l'un des hommes qui a eu le rôle principal des Dents de la Mer de Spielberg, qui a eu un succès évidemment colossal. Mais Friedkin et Roy Scheider, ils sont un peu fâchés tous les deux, parce qu'à l'époque, Roy Scheider voulait avoir le rôle du père Karras dans L'Exorciste, celui qui jouera finalement Jason Miller. Et entre eux, il y a une friction, depuis, ils ne se sont pas parlé. Et finalement, Roy Scheider revoit Friedkin et accepte de jouer le rôle principal. Et ensuite, il aura donc Bruno Kremer, qui est formidable dans le film. Amidou sera le seul, d'ailleurs, à rester du casting original. Et puis, il y a une dernière histoire assez drôle sur Francisco Arrabal, vous la connaissez peut-être, c'est que lorsque William Friedkin tourne French Connection en 71, il fait son casting, Gene Hackman, Roy Scheider, et puis pour le parrain, le chef de la French Connection, il veut Francisco Arrabal. Voilà. Et donc Friedkin demande à son directeur de casting, bon, tu me trouves ce type là, hein, etc., tu le fais venir d'Europe. Et donc il lui envoie le script, Francisco Arrabal a priori est d'accord, le directeur de casting lui dit, il a donné son accord, il va venir, et Francisco Arrabal arrive à New York, et Friedkin, très poli, vient l'accueillir à l'aéroport, et là il se rend compte que c'est pas Francisco Arrabal qui vient d'arriver.
et que cet acteur qui est là, c'est Fernando Rey, et que le créateur de casting s'est planté, il s'est planté d'acteur. Et moralité, il a un des acteurs des films de Buñuel qui vient. Et pour lui, c'est une catastrophe. Il adorait Rabat, il trouve que le book de Fernando Rey est ridicule, enfin ça va pas du tout. Et finalement, aujourd'hui, on a oublié tout ça, mais c'est Fernando Rey qui jouera donc le patron de la French Connection, etc. Mais c'est pas du tout lui qui était prévu. Et quand Friedkin va chercher Francisco Rabal pour Sorcerer, en fait, c'est son choix de départ de French Connection. Il dit, bon, cette fois, on va pas se tromper, hein, c'est vraiment vous qui allez venir, et il vient pour jouer le rôle principal. Donc voilà, pardon pour cette présentation un peu longue, on parlera un peu plus longuement du tournage. Mais en fait, pour terminer, on pourrait dire ce que Friedkin n'a cessé de dire depuis 20-25 ans et qui pour moi est toujours une question. C'est que lui se demande évidemment les raisons de l'échec de Sorcerer. Il y en a sans doute plusieurs et on y reviendra tout à l'heure. Mais évidemment, le cas McQueen est important parce que le tournage a lieu en 76-77. McQueen meurt à 50 ans en 80. Et donc, il reste convaincu que si McQueen avait dit oui, autre casting, autre éclairage, le film aurait été peut-être reçu différemment. Et Friedkin a depuis cette phrase qui est devenue quasiment un slogan chez lui. Il dit « À l'époque, j'étais trop idiot, trop arrogant, trop imbu de moi-même pour me rendre compte que un gros plan de Steve McQueen valait tous les paysages du monde. » Voilà. Et j'aime assez ça parce que à la fois c'est juste et en même temps je suis pas sûr que ce soit vrai. Et donc voilà, en voyant le film, est-ce que vous penserez toujours ça, hein, à savoir que finalement un gros plan de McQueen eut mieux valu que les gros plans de ces paysages qui évidemment, vous allez le voir, racontent une histoire qui a disparu de l'histoire du cinéma. Plus personne ne fait des films comme ça. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de CGI, on est à l'autre bout du monde. Les acteurs ont vraiment souffert, ils ont vraiment transpiré, il y a vraiment des accidents, j'en parlerai après, la malaria. Hein, le cinéma est devenu un truc totalement hygiéniste aujourd'hui, où le pire c'est que l'écran bleu déteigne sur vous. Voyez. Donc là, c'est aussi, quand on voit ça, c'est un peu comme revoir des films comme Fitzcarraldo, etc. C'est voir s'il y a une part, il y a un peu une part de nostalgie, me semble-t-il, parce qu'on se dit que on verra plus jamais des films comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, le vieux con se retire. Vous souhaite bonne projection et vous dit à tout à l'heure. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas aimé le film ? Pour qu'ils prennent tout de suite la sortie, puis après on... évidemment que c'est dur de parler après un film comme ça. Est-ce que vous avez, vous, des premières réactions ? Est-ce que c'est un film auquel vous vous attendiez ou pas du tout non ? Vous l'avez découvert, vous, par exemple ? J'essaie de résumer ce que vous avez dit. Pour ce monsieur, c'est quoi votre prénom ? Yann. Pour Yann, pour lui, c'est l'échec commercial dont on parlait au début. Pour quelle raison ? Il y en a plusieurs, évidemment. Le film ne marchera pas en salle. Et quand je dis ne marchera pas, ça sera un échec cinglant qui fera que Friedkin partira à Paris totalement déprimé, épousera Jeanne Moreau. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du film, mais en tout cas, il épousera Jeanne Moreau juste après. Ils ont été mariés pendant 2 ans, de 67 à 79. Et il mettra du temps à s'en remettre, William Friedkin. Il reviendra au cinéma en 80, mais il mettra du temps à s'en remettre dans le sens où pendant des années il ne parlera pas et personne ne lui parlera de Sorcerer, hein, parce que ça c'est en grand cinéaste américain qui se respecte quand il y a comme ça un flop, une casserole, c'est quelque chose qu'on veut plutôt oublier. Donc c'est un échec commercial énorme, absolument colossal, puisque le film devait coûter dans les 5-6 millions de dollars au début et a terminé à 22, bah, comme souvent hein, dans ces histoires-là. Alors peut-être qu'on voit aussi sur l'écran, et là je pense que ça se voit aussi, combien est-ce que le film ne fait aucune concession, hein, et notamment la fameuse séquence du pont, la grande séquence qui arrive pile au milieu du film d'ailleurs, qui dure pourtant 12 minutes et qui a donc nécessité 3 mois de tournage. Pour une raison toute bête, c'est qu'à l'époque, William Friedkin voulait qu'il y ait un certain type d'éclairage pendant la séquence, en l'occurrence un éclairage gris, nuageux, qu'on ne voit pas le soleil. Et le problème, c'est que là où il se trouvait en République dominicaine, le soleil vers 10h30, 11h se levait, éclairait tout le plan, ce qui rendait impossible le tournage entre 11h et 7h du soir. Et donc lui aurait pu dire, puisqu'on, c'est pas grave, on va s'arranger avec des filtres, on fera des gros plans, on va masquer le fait qu'on tourne alors qu'il y a du soleil. Lui a dit non, tant qu'il y a du soleil, on ne tourne pas.
Et donc, ils attendaient entre 11h du matin et 7h du soir, faisant d'autres plans, etc., pour, sur ce pont, d'ailleurs qui a été détruit, reconstitué ailleurs. Enfin, il y a un nombre d'histoires incalculables autour de cette séquence absolument homérique, hein, qui est presque le budget d'un film à lui tout seul, hein, pour ses 12 minutes de film. Et donc, Yann disait, mais moi, l'échec commercial du film, il transparaît, selon moi, à chaque plan, parce que... alors d'ailleurs, ça c'est quelque chose que vous pourriez expliquer, selon vous, pour quelle raison à chaque plan, dès lors que les quatre arrivent, parce qu'il faut rappeler que dans le roman de Georges Arnaud et dans le film de Clouzot, il n'y a pas ce prologue. Hein, on arrive directement dans le lieu où ces quatre fugitifs vont se retrouver pour transporter de la nitroglycérine, enfin peu importe, un convoi explosif. Ce qu'a inventé Wallon Green, le scénariste du film, et d'ailleurs à l'époque, beaucoup de gens étaient très sceptiques sur cette longue introduction en se disant c'est quelque chose qui ne va jamais marcher, on met du temps. Or, je pense qu'une des grandes réussites du film, elle tient précisément à ce début-là. C'est qu'on n'oubliera jamais la façon dont Bruno Kremer, Manzone, a quitté sa femme rapidement au restaurant. On n'oubliera jamais le regard d'Amidou lorsqu'il voit son frère d'armes embarqué, c'est un Palestinien, embarqué par la police de Jérusalem. C'est quelque chose qui restera, à mon avis, ou Roy Scheider, gravé très profondément dans le regard du spectateur. Et je pense que si on voit le film en supprimant ce prologue, d'abord, ça obligerait à avoir beaucoup plus de dialogue, alors qu'on est sur un côté behavioriste incroyable. Il y a très peu de choses qui sont dites. Alors, personne ne parle vraiment sa langue, à part Roy Scheider. Certains doivent parler espagnol, on parle allemand avec un type pour avoir du bon whisky, avec des détails extraordinaires, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant avec Friedkin. Et pour moi, c'est vraiment un film friedkinien en diable, c'est-à-dire que les personnages, ils sont pas vraiment aimables. On peut les comprendre, on peut avoir un peu de compassion par moment pour eux, mais il n'en fait à aucun moment, évidemment, des héros. Hein. Ce sont des personnages qui sont, comme dans tous les films de Friedkin, dans le gris intégral. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime le moment où Marquez, un des quatre conducteurs qui a été sélectionné au début, doit partir. Et donc on est plutôt évidemment au début avec ce groupe qui va se constituer, et il se fait donc tuer par Francisco Rabal, et là on voit cette tache de sang qui recouvre à un moment donné quelque chose qui nous prouve que c'est sans doute un ancien criminel nazi. Donc il y a une volonté à chaque fois qu'il y aura un sentiment un peu positif pour les personnages qui pourraient apparaître, tout de suite de tempérer ça pour en faire des personnages qui sont juste des fugitifs, qui sont rattrapés, qui vont être rattrapés par un passé qu'ils ne pourront pas fuir. Et donc ce prologue, il est important. Alors, le suicide commercial, c'est difficile à dire. Moi, je pense que ce qui est évident, c'est qu'à l'époque où le film va sortir, c'est plus du tout, en fait, un type de film que les gens ont envie de voir. Je pense que c'est, pour moi, la vraie raison, elle est là. Les acteurs, quoi qu'on en pense, d'accord, c'est pas McQueen et Ventura, mais ils sont très bons, me semble-t-il. Bruno Kremer, je le trouve formidable. Ils sont tous vraiment très bons. Donc le problème, c'est, mais comme souvent dans l'histoire du cinéma, c'est l'anachronisme, enfin au sens strict du terme. C'est-à-dire que le film ne sort pas au bon moment. Vous savez, 2 ans plus tard, il y aura, on en a déjà parlé ici, Evans Gate de Michael Cimino. Et puis combien de gens ont dit... d'ailleurs, c'est même devenu un discours. Oui, mais peut-être Evans Gate, sorti en 71, aura eu un succès colossal. Peut-être, on n'en sait rien. Il n'empêche que, sans doute, qu'il sort là un mauvais moment. Et moi, je pense que c'est quand on voit ce qu'est le cinéma américain entre 77 et 79, hein, que ce soit le récit, on pourrait dire, de la reconquête, de la reprise en soi du rêve américain façon Rocky, l'arrivée des films disco, comme La Fièvre du Samedi Soir, l'arrivée de Star Wars, je peux vous faire une liste colossale, de la façon dont le cinéma américain à ce moment-là a déjà son esprit dans les années 80. Il a déjà quitté le nouvel Hollywood. Et là, Friedkin arrive avec son film plus radical. C'est-à-dire qu'il l'aurait fait en 71, peut-être que le film aurait été reçu différemment. Mais dans French Connection, il y avait encore, on pourrait dire, un genre, en l'occurrence le polar, des poursuites, un méchant vraiment identifié. Il y avait des choses auxquelles on pouvait se rattacher, même si déjà on sentait que le personnage auquel s'attachait Friedkin n'était pas un héros comme les autres, quoi. Popeye Doyle dans le film, que joue Gene Hackman, est déjà un type qui va sur la pente du mal, toujours un peu malade. Et d'ailleurs, on peut considérer que la toute fin du film, lorsque Roy Scheider se perd dans cette espèce de désert, qui entre parenthèses est la seule séquence du film, à part les quatre séquences du prologue bien sûr, qui n'a pas été tournée en République dominicaine, mais au Nouveau-Mexique.
hein, dans un espèce de désert qui existe encore aujourd'hui, qui est une propriété privée, un territoire navarro, un lieu sacré. Et d'ailleurs, il a fallu que Friedkin demande l'autorisation des Indiens navarro pour pouvoir tourner là. Donc ça, c'est un lieu qui se trouve aux États-Unis, qui est un espèce d'endroit, voilà, un lieu sacré où les Indiens viennent se recueillir, dans lequel Friedkin a pu tourner. Et cette séquence-là, pour ceux qui se souviennent de French Connection, par exemple, et de la fin de French Connection, lorsque Popeye Doyle erre comme un dératé à l'intérieur d'un espèce de hangar et tire, pense voir l'ombre partout du méchant, on a exactement le même type de mouvement à la fin du Convoi de la peur. Les films de Friedkin, c'est comment est-ce que des hommes se perdent, tout simplement. Ça raconte ça, les films de Friedkin. Et ils se perdent parce qu'ils ont côtoyé le mal, parce qu'ils l'ont frôlé d'un peu trop près, parce qu'ils l'ont connu. En tout cas, ils n'y échapperont pas. Et c'est cette histoire-là d'un homme qui, plus il avance, en l'occurrence Rush Hider, plus il se perd. Et moi, il me semble, mais je pense qu'on peut avoir plusieurs lectures de ça, que la femme avec laquelle il danse à la fin, qui est pour moi une des plus belles séquences du film. Hein. Lorsqu'à la fin, le moment, l'idée géniale quand même, que après ce qu'on vient de voir, qui est quand même une espèce de... C'est Herzog, hein. C'est Aguirre, Fitzcarraldo en République dominicaine avec la folie de Friedkin, tout ça mélangé. Lorsqu'on sort du film et qu'on sent dans ce petit café qu'au fond, ça arrive, mais c'est trop tard. Hein, l'air de Rush Hider n'est pas du tout l'air conquérant du type qui a gagné, comme il le dit à un moment donné, le double, voire le quadruple de sa part. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, est un dialogue auquel tenait Friedkin parce qu'il ne voulait pas qu'on s'identifie trop au personnage. Et que lorsque Rush Hider dit « génial, ils ne vont pas s'en sortir, on aura le double départ », ça jette comme un tout petit peu un froid sur le personnage. En permanence, il joue avec ça. Hein, y compris Francisco Rabal, qui est le personnage sans doute le moins sympathique, celui qui a tué Marquez. En même temps, on se rend compte que Marquez est un criminel de guerre. Bon, un ancien criminel de guerre nazi. Et en même temps, c'est lui qui va sauver à la fin Rush Hider. Et puis quand il meurt, hein, dans le camion, on peut avoir un petit peu d'empathie ou de pitié pour lui. Donc le film est en permanence sur cette idée qu'il faut toujours garder des personnages à la frontière de l'héroïsme et de l'anti-héroïsme. Hein, ce sont des gens qui sont ni des gens recommandables, ni gens du côté du bien, ni du côté du mal. Et Popeye Doyle dans French Connection, à la fin, il termine exactement comme ça, dans un espèce de délire mental et personnel, où en fait, ce qu'il poursuit, c'est dans sa tête. Et on voit bien que quand Rush Hider se retrouve dans cet essai de décor lunaire, vraiment lunaire, d'ailleurs j'aime bien comment est-ce que l'espace qualifie aussi à un moment l'idée que le mec mentalement est perdu. Hein, donc il y a l'état que l'espace est aussi une planète étrangère parce qu'il s'est lui-même perdu. On a l'impression qu'il est sur Mars parce qu'il ne sait plus où il est. Et en même temps, lorsqu'il arrive dans ce petit village, à la toute fin, donc on croit qu'il a gagné mais il n'a rien gagné, il est tout seul, il amène sa petite caisse d'explosifs, de glycérine. Et lorsqu'il reçoit le chèque, donc, on a presque le sentiment qu'il attend que en fait, ce qui doit lui arriver arrive enfin. Et moi, je pense que cette femme, c'est l'image de la mort dans le film. C'est-à-dire qu'au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'un des tout premiers plans, c'est lorsqu'ils arrivent à Port-Venir, qui est cette petite bled, qui est l'enfer sur Terre, hein, sous contrôle d'une puissance capitaliste, en l'occurrence Gulf and Western. Pour ceux qui, si vous avez été un peu attentifs, vous voyez que dans le bureau du patron de l'entreprise pétrolière, il y a le symbole de Gulf and Western. Et à l'époque, lorsque le producteur du film lui-même, qui possède ça, voit ça, j'ai autant dire qu'il a... Il a accusé le coup, hein, et Friedkin disait que ça a été aussi un moteur formidable pour lui de travailler pour Gulf and Western Paramount, hein, parce qu'il voyait comment ces gens-là traitaient comme des chiens, comme des esclaves les autres, et donc il a totalement transposé ça sur le mode, effectivement, vous avez vu comment ces ouvriers sont traités, ils sont calcinés, on rend leur corps, enfin c'est vraiment de la chair à travail absolument abominable. Et donc, tout ça pour dire qu'on voit très bien comment, à ce moment-là, lorsque le Friedkin donc introduit le personnage de la femme, au tout début, elle apparaît derrière comme ça une espèce de grillage. Elle est là, elle attend. C'est une présence qui est toujours mystérieuse. Ce n'est pas la seule dans le film, hein, mais une présence un peu mystérieuse. Et on va la revoir à un moment lorsqu'elle va donner la croix à Bruno Kremer. Et en fait, on comprendra après coup que c'est un signe de mort qu'elle lui donne. Et pas du tout ce qu'on pourrait croire au début. Oui, mais ça va te protéger. C'est tout le contraire, évidemment. Elle lui offre une espèce d'objet, d'ailleurs, qu'on pense que c'est une croix, mais il n'y a pas de gros plan, il n'y a pas de contre-champ dessus, il n'y a pas d'insert, évidemment. Friedkin refusait impérativement les inserts, quoiqu'il y en a un dans le film. Lorsque, à la toute fin, on passe du kilométrage à la craie qu'a effectué Rush Hider, 216, et on voit la distance qui reste à parcourir, 218. Parce que sans cet insert-là, on ne comprend pas pourquoi le type part à pied. Enfin, on ne comprend pas.
on se dit là, et grâce à ce calcul que même les gens pas forts en maths peuvent faire, ça fait 2, on se dit que bon, là, il tente, il fait le dernier miles et demi, en fait, à pied. Et donc, cette femme, c'est la mort. Et alors, si on considère, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois, et si on considère que cette... Mais c'est la mort acceptée. Hein. C'est-à-dire que, à mon avis, l'idée de ce film, c'est que les personnages, après le prologue, ils sont morts. Voilà. Et le film joue beaucoup de ça. Hein. Vous avez vu du maquillage charbonneux, Lazare, le retour, c'est l'enfer. C'est l'enfer où ils sont, tout simplement. Ils sont déjà morts, symboliquement. Donc en fait, le récit, là où c'est un suicide commercial peut-être, c'est que le récit ne fait jamais croire que si ils arrivent à transporter ou à mener à bon port cette cargaison, nouvelle vie, c'est reparti comme en 40. Non. Le truc est mort dès le départ. Je pense que c'est ça. Le côté non commercial du film, c'est que le film se dirige vers un dénouement qui est pessimiste, nihiliste, comme l'était Friedkin à l'époque, dans tous les cas, et que rien ne le fera varier. Aucun retournement de situation, aucune embellie, rien du tout. Donc c'est un film dont le programme est on a des morts vivants qui, au bout de 2 heures, vont vraiment mourir. Et donc il y a une forme, d'ailleurs, on pourrait presque dire, de sérénité à la fin de Rush Hider, lorsqu'il comprend, de toute façon, il est mort. Il a touché un peu d'argent, mais quelqu'un va venir. Il peut pas sortir de cette espèce de lieu qui est une prison à ciel ouvert, qui a envie d'aller passer un peu de temps dans cet endroit qui est absolument terrifiant. Et donc à ce moment-là, il comprend, moi je pense que ce qu'il comprend à la fin, c'est qu'au fond il n'en sortira jamais, il n'y échappera pas. Et donc là il invite la mort à danser, il lui dit puisque tu vas m'avoir, autant que ce soit fait dans les règles de l'art. Et il danse avec elle, et j'aime beaucoup cette séquence de fin, parce que c'est à la fois un personnage, cette femme dont qu'on voit lessivée, muette, qui ne dit évidemment rien. En même temps, il l'invite à danser. Et dès lors qu'il l'invite à danser, travelling arrière, on ressort à ce moment-là du petit bar et on voit arriver les deux types du début qui arrivent. La musique de Tangerine Dream qui renvoie à une musique quasi mécanique, hein, d'un mouvement inexorable. Hein. C'est ça la pulsation de la musique en permanence. Cette idée que quoi qu'on fasse, il y aura toujours Tangerine Dream derrière. Et d'ailleurs, des années plus tard... D'ailleurs, je dis ça parce que si je dis ça, c'est parce que je sais un truc quand même. C'est que des années plus tard, si vous allez sur Internet et vous regardez des confs de Friedkin aux États-Unis ou des Q&A, des choses comme ça, et depuis 2-3 ans, Friedkin s'amuse à répéter à qui veut l'entendre et surtout à qui peut le comprendre que depuis un an ou deux, il entend la musique des Tangerine Dream dans sa tête. Je lui dis, mais. Pourquoi, parce que j'ai revu il y a une semaine, et je lui ai dit, mais pourquoi vous répétez toujours que vous entendez votre musique de Tangerine dans la tête, etc. etc. Et en fait, pour la faire court, et en discutant, je comprends que ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il a 80 ans, que évidemment l'essentiel de sa vie et de sa carrière sont derrière lui, et que la fin approche. Voilà. Et autrement dit, ça veut dire qu'il avoue aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après le film, que cette musique-là, elle renvoie dans sa tête à la marche de la mort. Hein, ce n'est pas forcément quelque chose d'horrible, parce que c'est une belle musique, mais il sait que c'est ça qui arrive. Et donc, lorsqu'on se reprojette à l'époque de Sorcerer, la musique de Tangerine Dream, c'est la musique de la mort. Hein. Et d'ailleurs, vous avez vu à la fin, lorsque les deux types débarquent, pas la peine d'avoir la séquence les montrant en train de tuer Rush Hider, on est archi persuadé que c'est fini. On n'a pas besoin de la preuve du corps de Rush Hider, non, on sait très bien que c'est fini. Lorsqu'ils arrivent, tout de suite, hein, c'est à nouveau le retour de cette musique qui, rappelez-vous, est arrivée la première fois avec les soldats mitraillettes et larmes qui foncent pour aller tuer les Palestiniens. Donc la façon dont la musique dans le film est utilisée, à la fois brillante, parce qu'à l'époque, Tangerine n'avait pas composé de musique de film, c'est là qu'ils vont débuter. Friedkin les avait entendus une fois en concert, avait été assez séduit par ça, et il a fait le film sans la musique. Enfin, il a fait le film. Non, il a fait un premier montage sans la musique. Et il a demandé à ce groupe allemand, tout simplement, s'il voulait bien composer la musique, ce que le groupe a fait après avoir vu un pré-montage. Et Friedkin dit que ça lui était extrêmement utile pour effectuer le montage du film. Et moi, je pense qu'il s'est même servi même de la musique du film pour raconter des choses à l'intérieur. Et Tangerine Dream, c'est la musique de la mort en permanence qui est là. Et c'est pour ça que cette image donc de la femme, pour moi, c'est la mort. C'est la mort incarnée qui est là. Mais en même temps, Friedkin, lui, a plusieurs fois parlé du sens du film. Parce que j'imagine que certains d'entre vous ont des lectures différentes du film, qui, moi, me semble relativement simple dans le sens où
Je dirais deux choses. La première chose, ce qui me semble le plus fascinant dans Sorcerer, indépendamment du fait qu'on se rend compte que le tournage a vraiment eu lieu, quoi. Voilà. Et ça, là, pour le coup, le cinéma, ça ment pas. C'est quand on voit la séquence du pont, quand on voit Amidou tomber dans le pont, quand on voit là, on sent que ça n'a pas été un tournage de tout repos pour tout le monde. Et ça n'a pas été le cas, puisque la moitié de l'équipe a quand même disparu au milieu du tournage. Malaria, maladies différentes, etc. Frikin a dû remplacer la moitié de l'équipe. Il y a eu beaucoup d'histoires. Ils étaient aussi surveillés par des agents, des fédérales, qui sont les flics d'Amérique du Sud, qui étaient infiltrés sur le tournage. Et un jour, Frikin a dû virer une partie des membres de l'équipe parce qu'on avait trouvé de la drogue sur eux. Et donc on a dit à Frikin, soit c'est vous qui partez en prison, soit vous virez ces techniciens-là. Il a dû séparer une dizaine de techniciens pendant le film. Enfin, c'est un tournage évidemment totalement homérique. Mais ce que je trouve beau et ce qui reste frappant, parce que je ne connais pas tant d'exemples de films que ça, c'est pour ça que le nom d'Herzog vient tout de suite à l'esprit. Et à mon avis, beaucoup plus que Apocalypse de Coppola, auquel on pourrait le comparer en termes de démesure, de délocalisation, de folie, etc. Il y a un point commun, bien sûr, avec Coppola, mais je pense que c'est vraiment avec Herzog que le lien est le plus fort. Et ce lien-là, il tient à une référence qui est, à mon avis, enfin, pas uniquement, mais en grande partie, à une référence qu'apporte Wallon Green, le scénariste. C'est que lorsque Friedkin dit à ce scénariste-là qu'il a envie d'adapter Georges Arnaud, donc il a évidemment carte blanche tous les deux pour pouvoir écrire cette histoire-là, Wallon Green dit qu'il y a un roman que tu dois absolument lire, on doit lire et qui doit nous inspirer, c'est « Cent ans de solitude » de Gabriel García Márquez. Ça va être notre « là », hein, si on veut. Donc voilà, grand roman écrit en 67, presque un des romans les plus connus sur ce qu'on appelle de façon un peu commune et imprécise le réalisme magique, si vous voulez. Mais on sent bien que le sang qui coule dans les veines de Friedkin lorsqu'il fait Sorcerer, quelque chose qu'on n'avait pas du tout, ni dans French Connection, ni dans L'Exorciste, hein, qui était sur un imaginaire, on pourrait beaucoup plus simple, autour de l'irrationnel, de la foi, de la civilisation, de la barbarie, du je crois, j'y crois pas, etc. L'Exorciste, c'est vraiment un film là-dessus. Là, il y a vraiment le sentiment que le film se place sur un terrain beaucoup plus, on pourrait dire, sud-américain, et notamment sur cette question du réalisme magique. Ce qui fait que le film, et à mon avis, c'est un cas d'école dans le slot Friedkin, c'est à la fois un Friedkin pur et dur, c'est à mon avis son plus grand film, et c'est surtout un film qui trouve un point d'équilibre parfait entre d'un côté une veine réaliste, qui ça vient de Friedkin, l'héritage documentaire, French Connection, l'homme a fait du documentaire, ce côté extrêmement pris sur le vif. D'ailleurs, la séquence dans Jérusalem, la plupart des plans sont volés, la plupart des dégâts de l'explosion ont été rajoutés. Ils ont fait une fausse explosion de banque et deux heures après, il y avait une vraie explosion à côté de Jérusalem et ils sont allés filmer les dégâts de cette explosion-là pour la coller à la fausse explosion. C'est-à-dire qu'on sent que le film est nourri, mais presque physiquement, ça suinte le réalisme. Et en même temps, à côté de ça, il y a une forme de fantastique un peu étrange. Hein. Le magique, il est là. C'est-à-dire que le réalisme magique de 100 ans de solitude se trouve dans toutes les images de Sorcerer. C'est qu'on a un mélange entre, d'un côté, un réalisme quasi-documentaire. On va mettre 10 minutes pour savoir comment est-ce qu'on fait sauter un tronc d'arbre. Ça, c'est vraiment... Moi, j'ai appris des choses. Hein. Je ne sais pas si ça nous sert régulièrement, mais j'ai appris quelque chose. Tout le début, on voit qu'il y a un souci réaliste extrêmement fort. Et en même temps, il y a un plan sur un animal, le plan d'un espèce de vieux aborigène planqué quelque part qui dit c'est par là et c'est pas par là. Évidemment, par là c'est la vie possible, par là c'est la mort. Il y a des espèces de créatures qui sont à la fois humaines, un peu mythologiques aussi, l'homme qui danse autour d'eux, qui s'en va, qui s'accroche au camion, qui repart. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à se dire, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le symbole de ce bonhomme-là ? Non, il y a une forme d'étrangeté à l'intérieur de ce monde-là, parce que ce sont quatre fugitifs qui sont balancés ailleurs, hein, hors territoire. Et il y a une forme d'étrangeté dans la façon dont Friedkin filme cet univers, le rapport des personnages à l'espace, qui, à mon avis, doit évidemment beaucoup au bouquin de Gabriel García Márquez, mais qui explique surtout la singularité du film. Hein. C'est vraiment cette espèce de mélange constant entre un réalisme mais physique,
Hein, on sent le moment où on met la main dans la caisse de glycérine, l'eau. C'est un cinéma qui est très physique, très sensoriel. Et en même temps, il y a quelque chose, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se joue à côté, qui échappe totalement au personnage, qui nous échappe aussi. Une forme d'élégance magique, quoi, qui est toujours là autour, en train de rôder, grâce notamment au personnage, à la façon dont il va filmer certains insectes, certains lieux, le cadavre dans la rue, des drôles de choses. Et je pense que, pour moi, c'est la réussite absolue du film. Alors, il faut quand même dire un mot du titre, Sorcerer, parce que oublions le titre français. Mais Friedkin a souvent dit que une des autres raisons éventuelles de l'échec commercial, c'était le titre. 77, Sorcerer, tout le monde se dit, l'homme qui a fait l'exorciste tourne Sorcerer. Bon, évidemment, on pense que c'est pas une suite, mais en tout cas qu'on est on va être dans le même état d'esprit, on va être dans le même type de domaine, le même type d'espace, etc. Et or, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'exorcisme. Mais le titre, évidemment, a joué en défaveur du film. Alors le titre, ça vient d'où ? Ça vient de quelque chose d'extrêmement simple, c'est que Friedkin est un grand amateur de jazz et écoutait à ce moment-là en boucle un album de Miles Davis qui s'appelle Sorcerer, et il a eu l'idée d'appeler son film comme ça, après avoir écouté l'album de Miles Davis. Et d'ailleurs, il l'appelle comme ça. Pour ceux qui s'en souviennent, il dit ça, mais je pense qu'il n'est pas totalement au clair là-dessus. C'est qu'à la fois, le film est radicalement différent de l'exorciste. En même temps, il y a une forme d'étrangeté qu'il avait testée dans l'exorciste qui l'intéresse malgré tout. Et comme il n'est pas sûr de son coup, il se dit « on ne sait jamais ». D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a des actes manqués dans le film. Enfin, il y a des images manquées dans le sens où je pense qu'il se doute que c'est un peu hardcore ce qu'il est en train de faire. Et que, alors tout le monde lui dit, ça va être génial, ça va marcher, il y aura un immense succès public, il sent qu'il y a quand même un petit risque. Et donc, il se rattache par moments dans le film à l'exorciste. Hein, de façon totalement artificielle d'ailleurs, on sent que lui-même, comme une sorte de talisman. Quoi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il inscrit le mot sorcereur sur un des camions, mais surtout, il y a l'ombre du démon Pazuzu qui est dessinée sur un des camions. Et alors là, moi, c'est un truc que je me suis toujours demandé, mais pourquoi être allé mettre l'ombre du démon Pazuzu, la silhouette sur le camion. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là, Friedkin se dit, on est vaguement dans quelque chose qui, pour certains, pourra paraître un peu ésotérique, hein, même si c'est beaucoup moins simple et lisible et clair que dans l'exorciste. Et je pense que c'est aussi une forme de talisman, quoi. Hein, c'est que si je dessine Pazuzu sur un des camions du film, peut-être que ça me portera chance et que le film marchera autant que l'exorciste. Évidemment, c'est tout le contraire, c'est produit. Et les camions, là aussi, les camions invitent une lecture symbolique. Alors on se dit, Lazare, c'est parti. En même temps, bien sûr, Lazare, ça semble être une évidence, parce que ce n'est qu'une histoire de... On pourrait presque dire que c'est qu'une histoire de résurrection ratée, quoi, Sorcerer. C'est ça, ce dont parle le film. Et en même temps, Friedkin avait gardé l'idée, tout simplement, de beaucoup de camions qu'il avait vus en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et les truckers, les camionneurs, avaient l'habitude, comme ça, de mettre des noms souvent un peu mythologiques, Hercule, des choses comme ça, sur leurs camions. Il avait gardé cette idée qu'il avait trouvée formidable. Et il l'avait même un peu humanisée. Hein. Vous avez vu la façon dont la bouche des camions, hein, on voit bien que là, c'est pas les quatre personnages qui ont customisé les camions. Hein. On sent qu'il y a une volonté d'anthropomorphiser terriblement, hein, ces différents camions. Il y a presque un côté duel par moment dans la façon de les traiter. Avec d'ailleurs un plan qui m'a toujours beaucoup intrigué dans ce film, c'est après qu'ils aient fini de remettre à niveau les camions, hein, de les avoir nettoyés, etc. Je sais pas si vous vous souvenez de ce plan. Totalement en contre-jour, avec 2-3 projecteurs derrière. Voilà. Là, on est en 77 et on dirait un film d'Adrian Lyne. Hein, c'est assez marrant de voir combien, dans ce plan-là, c'est esthétiquement ce que sera tout le cinéma américain des années 80. Un cinéma suréclairé, hygiéniste, bleu. En gros, c'est ça. Hein, et il est dans ce plan-là, déjà. 3 ans auparavant. Et je trouve ça vachement intéressant de voir que c'est un plan qui jure totalement par rapport à l'esthétique du film, hein, qui est une esthétique pluvieuse, grisâtre, ocre, verte, etc., etc. Et d'un seul coup, on a presque ce plan qui semble sorti d'un clip vidéo. Oui, bien sûr. Oui, si ce n'est que là, enfin, si on compare les deux, c'est pas du tout la même. Enfin, l'un va vers, a priori, va vers la vie, hein, alors que eux partent complètement vers la mort. Oui, c'est vrai. Et l'autre chose, c'est le destin, parce que Friedkin a dit, mais de toute façon, moi, mon film, alors on peut en parler des heures. Hein,
effectivement les symboles, les personnages, les moments où il y a deux choix. J'aime beaucoup la façon dont Friedkin se dit les choses ne tiennent jamais à rien. Le film, il avance beaucoup par petites choses comme ça. Si Hamidou n'était pas passé par la fenêtre, il serait mort. S'ils avaient pris le bon embranchement, il ne serait pas tombé sur ce pont. Et donc, sur les espèces de rebelles par la suite. Il y a comme ça une série de petits moments où on se dit que l'évolution du récit ne tient pas à grand-chose, hein, à un choix possible entre deux choses. Si Rushheider n'avait pas regardé sur le côté, peut-être qu'il n'aurait pas pris effectivement, il ne se serait pas enfoncé dans le camion, l'accident, et ce qui contraint, etc. Ouais, et tout est comme ça dans le film. Et Friedkin disait, mais il y a deux métaphores centrales, me semble-t-il, c'est lui qui le disait, il y a Sorcerer, le titre Sorcerer, indépendamment de son origine, Miles Davis, éventuellement le rapport à l'exorciste, Sorcerer, c'est l'esprit sorcier du destin. Voilà, il dit, c'est ça, dans ma tête, c'est ça. Et effectivement, hein, quand on revoit Sorcerer en se disant qu'il n'y a pas de sorcier qui se balade, évidemment, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas d'alchimie, non, c'est l'esprit sorcier du destin. Hein, ces quatre hommes-là vont être confrontés exactement à ça. Dès le début, d'ailleurs, on voit cette espèce de tête qui apparaît sur le titre Sorcerer, jusqu'à la fin, évidemment. L'autre métaphore qui a intéressé aussi Friedkin, c'est une lecture plus géopolitique, hein, c'est quand on est en 76-77, l'Amérique, hein, est aussi en train de changer. Hein, c'est pas du tout là, le même moment que le début des années 70, les attentats, la suite du choc pétrolier 73, une série de consortiums qui deviennent de plus en plus monopolistiques, etc. Et Friedkin dit, pour moi, la métaphore du film, c'est quatre personnages, finalement, qui représentent quatre États, quatre régions, en gros, les différentes régions du monde, qui sont assis sur quelque chose d'explosif, qui est la situation du monde, économique, démographique, etc., et qui sont contraints de s'entraider pour pas que tout ça saute. Voilà. Le problème, c'est que tout ça saute. Mais c'est ça, là, une des idées de William Friedkin, c'est ça. C'est que le monde est une poudrière. Et comment faire pour que cette poudrière n'explose pas? Et Friedkin le dit, bon, aujourd'hui, 2015, il dit, je pense ça à la puissance 10. Hein, c'est-à-dire que c'est sans doute ce qui a peut-être le moins vieilli du film, c'est aussi ça, ce que raconte le film. Hein, c'est vraiment cette idée-là, si vous voulez. Et donc je pense que quand on regarde Sorcerer, à mon avis, comment dire, ce qui est très fort, c'est qu'on peut se dire qu'il y a une lecture politique, il y a une lecture mythologique, il y a une lecture existentielle, le destin, la mort qui revient, etc. Mais en bout de course, c'est pour ça qu'il y a l'intérêt qu'il y ait très très peu de dialogue d'ailleurs dans le film, vous avez vu, il parle extrêmement peu, etc. En bout de course, je pense que, moi si je devais résumer Sorcerer, c'est pour ça que le film est une correction, et une reprise de la, pour le coup, qui est très proche de la fin de l'Exorciste. À la fin de l'Exorciste, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez en tête l'Exorciste ? Un peu. Megan, donc jouée par Linda Blair. Et disons, pour faire court, elle est guérie. Bon. On va donc pas rester dans la petite maison de Georgetown où il s'est passé tout ça, voilà, des gens qui ont vomi, des lits qui ont volé, etc., etc. Donc on déménage, comme dans tout futur film de maison hantée qui se respecte, on déménage après la catastrophe. Et dans l'épilogue du film, il y a ce moment très très beau où l'un des prêtres vient voir Hélène Burstyn et sa fille, qui est guérie. Donc ils sont en train de faire leur cato, ils s'apprêtent à partir. Et là, il y a Linda Blair qui se précipite vers le prêtre pour lui dire au revoir. Et comme si elle connaissait déjà, elle reconnaissait dans ce prêtre quelque chose qu'elle avait connu à un autre moment, qui était le moment où elle était possédée, qu'elle devait quelque chose à cet homme qui porte la soutane, le col blanc, etc. Et elle a toujours des marques sur le visage, preuve de quelque chose qui est toujours là. Et elle reconnaît ça. Et en même temps, on comprend à ce moment-là qu'elle passe à autre chose. Hein, elle passe à autre chose. Le principe de reborn fonctionne. Elle a été guérie. Elle n'oubliera pas, mais elle passe à autre chose. Autrement dit, elle arrivait grâce à Max von Sydow d'ailleurs et à Jason Miller à dépasser ça. Sorcerer est un film qui reprend ça sur son versant pessimiste. C'est-à-dire que toute l'idée du film, hein, le sorcier, c'est aussi ça. C'est le destin est un sorcier qu'on n'arrivera jamais à expulser. Alors que l'exorcisme, c'est comment est-ce qu'on fait sortir le diable d'un corps à un moment donné. Là, on n'y arrivera absolument jamais. Ce que voudraient faire sortir les personnages, c'est le destin sorcier qui est en eux-mêmes.
Comment est-ce qu'on peut ne plus jamais régler pour toujours les deux mafieux qui vont me poursuivre jusqu'au bout du monde? Comment est-ce que je pourrais régler la question de la fraude pour Bruno Kremer qui s'en va pour ne pas être mis en prison, etc. Et ça raconte une sorte d'exorcisme, si vous voulez, qui ne réussit pas. En fait, pour moi, le sorcereur, c'est un exorcisme qui échoue. Ils voudraient, ils font tout pour, cette espèce de gigantesque trajet totalement pharaonique à l'intérieur de la jungle, dans cette espèce de végétation touffue, etc. C'est une longue séance d'exorcisme pour eux, si c'était qu'à la fin, ben, ils ne sont pas guéris. La mort, elle est toujours là, elle les attend, et donc là, c'est fini. C'est pour ça que c'est le film, à mon avis, le plus pessimiste de William Friedkin, qui sort dans l'histoire d'Hollywood au moment où les spectateurs ont envie de voir enfin des films optimistes. Et moi, je pense que une des raisons du... Encore une fois, il y en a plusieurs, mais une des raisons de l'échec commercial de Sorcerer, évidemment, c'est ça. C'est qu'il n'y a absolument aucune porte de sortie, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de héros. La question des acteurs, à mon avis, rentre relativement peu en ligne de compte. Et là, il y a une question qu'on pourrait se poser, parce qu'il y a un film auquel on peut penser quand on voit Sorcerer. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui est un film plus classique de gens qui passent un temps fou à essayer de faire quelque chose et à la fin n'y arrivent pas. La chose s'envole. Un des grands films sur l'échec américain. Ouais. Qui a dit ça? C'est vous. Voilà, Le Trésor de la Sierra Madre, hein, qui est évidemment une des références importantes de William Friedkin. Hein, je ne voudrais surtout pas raconter ce film, parce que si vous ne l'avez pas vu, il faut le découvrir. Mais il y a quand même, disons qu'il y a... tout ça pour pas grand-chose, quoi. C'est un peu le principe de la traîneur de la Sierra Madre. Et on voit qu'on a à la fin du film, hein, qu'il y a un côté très houstonien dans Sorcerer. On a quelque chose qui a infusé, évidemment, le film de Friedkin. Donc, voilà, le film va sortir, va être un échec, évidemment, colossal. Et c'est intéressant parce que dans la carrière de William Friedkin, dans son autobiographie, il a un chapitre qu'il a appelé, dans la version d'origine, là, ça n'a pas été très bien traduit, mais dans la version d'origine, il l'a appelé hubris. Voilà. Et pour lui, le convoi de la peur, c'est le moment de l'hubris friedkinien, hein, qui produit évidemment ça, hein, mais c'est vraiment ce moment-là. C'est-à-dire que c'est au moment où il doit être, il est au sommet d'Hollywood, il doit pouvoir, il fait effectivement le film à très peu de choses près qu'il a exactement envie de faire. Et ce film-là va être le moment, c'est la grande gueule de bois. C'est-à-dire que ce que vit Friedkin en 77, d'autres le vivront après. Et c'est le moment de la gueule de bois d'Hollywood. Certains s'en sortiront, d'autres s'en sortiront pas. On en a déjà parlé il y a 2 ans. Hein. Mais je pense qu'une des vraies raisons, à mon avis, de l'échec du film, c'est évidemment le moment où il sort, 77, l'année de Star Wars. D'autant plus qu'il y a une drôle d'ironie, c'est que dans la fameuse petite structure dont je vous parlais au départ, Directors Company, entre Bogdanovich, Friedkin et Coppola, leur idée, c'était de produire des films à moins de 3 millions qu'eux allaient réaliser, mais c'était aussi ouvert à d'autres, éventuellement, cinéastes amis qui pouvaient proposer des films. Et George Lucas était arrivé un jour avec, en 73, 74, avec un script, et Coppola, qui avait là pour le coup eu plus de nez que Friedkin, avait dit, écoute, ce film-là, parlant à Bogdanovich et à Friedkin, ce film-là coûte plus de 3 millions, mais il faut le faire, ça va cartonner. Et Friedkin lit, putain, c'est complètement débile. Et ce script, c'est Star Wars. Et donc, il le dégage. Et Friedkin dit, évidemment, pour des raisons commerciales, j'ai eu tort. Hein. Même quand vous entendez parler Friedkin aujourd'hui, lui considère vraiment, hein, il fait partie de ces cinéastes qui ont la dent la plus dure, et même s'il a continué à tourner, et beaucoup plus que d'autres d'ailleurs, il a plutôt été bien loti d'ailleurs par Hollywood depuis le début des années 80. Friedkin, il a fait Tully Van Dyne en 88, jusqu'au récent Killer Joe, il est revenu avec Bug, Traqué, il a continué à tourner, William Friedkin, contrairement à d'autres qui ont eu beaucoup plus de mal, mais c'est sans doute celui qui a la dent la plus dure sur la fin du nouvel Hollywood et l'arrivée du cinéma d'après. Hein, de justement le cinéma post-Star Wars, etc. C'est même quand on l'entend aujourd'hui, il s'en prend aux super-héros, il dit ça rend complètement débile les gens, c'est une catastrophe pour le cinéma, et pas qu'hollywoodien, international d'ailleurs, les films de super-héros. Bon. Parce que Friedkin avait une très belle phrase à l'époque de la sortie de Star Wars, où il comprend, parce qu'évidemment, à mon être idiot, on comprend que si les gens vont voir Star Wars, c'est mort pour d'autres, et que la donne est en train de changer. Il avait dit, le problème, c'est que dans les années 70, et notamment avec des personnages comme ceux de Sorcerer, on était dans des personnages qui étaient mélangés. Hein, bien, mal, on était dans une espèce de zone assez imprécise. En tout cas, l'enjeu n'était pas d'avoir des héros, c'était même plutôt des anti-héros d'ailleurs. C'est là-dessus que s'est construit l'essentiel du cinéma américain de cette période-là. Et Friedkin dit, le problème c'est que quand Star Wars est arrivé,
et que le merchandising est arrivé, et que les gens sont allés voir le film en masse, et ont voulu aller acheter des figurines de Luke Skywalker, ces trucs-là, etc. Et d'un seul coup, on nous a demandé non plus de faire des personnages de cinéma, mais de faire des figurines animées. Et je pense que c'est totalement juste, hein, c'est-à-dire que le film Sorcerer, c'est aussi un film de personnages qui sort à un moment où l'ère de la figurine est en train d'arriver au cinéma. Voilà. Où il faut avoir des poupées. Alors, est-ce qu'on imagine une poupée Roy Scheider ? À quoi ça ressemblerait une poupée Roy Scheider ? Non, mais ça m'intéresse. Je veux dire, à quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est le moment où il est le petit macro le petit escroc du début ? Est-ce que c'est le moment où il ressemble à Lazare ? Est-ce que le moment où il est à la fin un peu dépité ? Est-ce que c'est le moment où il tape avec sa machette ? C'est quoi le bon Roy Scheider ? Hein ? C'est que cette idée des personnages qui sont multiples, comme Popeye Doyle. Est-ce que c'est le moment où il est flic, au moment où il pète les plombs, le moment où il est aussi violent que les criminels ? Cette espèce de complexité du personnage évidemment ne peut pas devenir une figurine. Et Friedkin en a toujours énormément voulu. En fait, il en voulait à la fois au film qui se faisait et aussi, sans doute, au cinéaste américain de Nouvelle Hollywood, au milieu, à partir de 1975-1976, de ne pas avoir su prendre le pouls de ça, hein, d'avoir continué à faire leurs films dans leur coin, tous hors sol, avec le succès qu'ils obtenaient, ils avaient perdu le contact avec la réalité, et une nouvelle génération, pendant ce temps-là, a tranquillement préparé le terrain et a pris le pouvoir. Et après, pour eux, c'était beaucoup trop tard. Hein, je pense Friedkin s'en veut aussi, hein, de ne pas avoir été plus concerné par l'état du public et d'avoir su le diriger de façon plus subtile que ce que c'est devenu dans les années 80. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas aimé le film ? Honnêtement ? Ah, vous êtes surprise. Attendez, vous allez avoir un micro. J'avais vu que le salaire de la peur, mais je suis dans les années 65, par là. Donc j'étais surprise parce que j'avais un souvenir de ce film, et un souvenir, je n'ai pas revu. Et moi, j'avais le souvenir qu'effectivement, j'avais été angoissée par le transport et je voulais qu'ils arrivent à bon port. Alors que là, c'est vraiment un autre film, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas ressenti la même angoisse. Par contre, effectivement, il y a toute la première partie de mise en place des personnages qui n'existe pas dans le Salaire de la peur. Mais j'ai trouvé que c'est intéressant. Enfin, c'est un autre film. Et il est bien, mais c'est autre chose. Oui, mais d'ailleurs, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé et d'ailleurs qui est très différent des rapports notamment entre Montand et Charles Vanel. Et d'ailleurs, Friedkin dit que des années plus tard, il croisera un jour Yves Montand à Saint-Paul-de-Vence, qui viendra le voir en lui disant « Votre film est formidable ». Et Montand aimait beaucoup cette version du Salaire de la peur. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le rapport au passé dont je ne vous ai pas parlé. C'est que, à mon avis, et c'est quelque chose qu'on doit ressentir assez fortement quand on voit le film, une des dimensions tragiques du film, c'est qu'on sent que ce sont des personnages qui ne peuvent pas ne pas avancer. Et je pense que ça, Friedkin le montre très très bien. C'est-à-dire qu'ils se sont mis quelque part dans leur prison, ils végètent, voilà, comme ils peuvent, etc. Mais ce sont des personnages qui, doivent totalement supprimer l'idée du passé. Hein, ils ont changé d'identité, etc., etc. Ils regardent d'un mauvais œil dès qu'on leur pose des questions éventuellement sur ce qu'ils ont été auparavant. Et ils ne peuvent qu'avancer. Mais tout le problème du film, c'est qu'ils ne peuvent avancer, mais vers quoi ? Et je pense que le côté nihiliste du film, c'est que ce sont des personnages qui n'avancent que vers ce vers quoi ils doivent aller, c'est leur propre mort. Leur sort est jeté. Ce qui fait que une des chevilles dramatiques dans le film, c'est ça, c'est l'arrêt avancé. Dès qu'il y a un arrêt, il y a de la panique, il y a du stress, il y a du danger. Que ce soit des rebelles, pseudo-rebelles, que ce soit un arbre qui bloque la route, que ce soit un pont qui bloque la route, etc. On voit bien que les moments de grande tension du film, ce sont les moments où le camion s'arrête. On ne peut pas continuer à avancer. Mais c'est une course qui est contre-productive dans le film. Évidemment, on nous fait croire que l'arrivée au puits enflammé est la vraie destination du récit. Oui, d'un point de vue scénaristique. Mais d'un point de vue existentiel, on voit bien que c'est rien du tout.
une fois qu'on a atteint le puits, et alors ? Ce qui fait que le film, il se fonde terriblement sur cette idée, finalement, d'une avancée, mais presque obligatoire, une course vers la mort. Ils ne peuvent jamais s'arrêter, et ils ont conscience en même temps qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, et qu'au bout, il y a exactement la même chose. Moi, j'adore la mort de Bruno Kremer, parce que c'est le moment où, là, il nous piège, Friedkin. Donc là, a priori, les gros obstacles ont été franchis. Un début de relation entre ces deux-là commence à se tisser. Qu'est-ce que vous faisiez ? Est-ce que vous avez des enfants ? Non, pas d'enfants. Et là, il ressort pour la première fois la montre, exactement au moment où il sort la montre avec l'inscription hein, 10 ans d'éternité. Encore une fois, là, le pneu explose. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous l'avez vu au début, mais le pneu n'explose pas. Hein, ils se font tirer par les rebelles. Je ne sais pas si on le comprend la première fois quand on voit le film. Hein. C'est que ce n'est pas le pneu qui explose sur le rocher. Hein. C'est que ce sont les rebelles qui ont tiré sur le pneu les deux fois. Et ce qui est beau, pourquoi je parle de ça, mais très rapidement, parce que je voudrais pas assommer le film par des lectures, c'est que un des principes de Sorcerer, qui est un des grands principes évidemment de la fiction américaine, c'est le principe de l'avancée. Et c'est cette idée que, vous savez, quand l'homme américain prend la route, généralement, il sait deux choses. Un, ce qu'il va trouver en bout de course, c'est jamais ce qu'il a prévu d'y trouver. Et deux, quand il veut revenir, son origine, elle a disparu. On en a déjà parlé ici à l'époque du road movie, notamment d'Alfredo Garcia, de Peckinpah, etc. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le seul moment où Bruno Kremer sort quelque chose qui renvoie à quelque chose du passé, dehors du rétroviseur, du retour en arrière, hein, cette type, parce que ça veut dire quoi ? Il dit, bah, finalement, peut-être pouvoir revoir ma femme. C'est quand il sort la montre, il se remet à remettre en route ses souvenirs, à le partager avec quelqu'un d'autre, ça devient un réel possible pour lui. Autrement dit, j'ai franchi mes ponts, mes caisses, etc. L'idée que je vais pouvoir rejoindre la Terre, enfin le monde des vivants, plus précisément, à nouveau, elle refait son chemin. Et on sent que ça retravaille en lui. Son expression, elle change. Entre les deux, tout change. Et à ce moment-là, évidemment, hein, le destin, ou plutôt la logique existentielle du film, dit non, mon gars, presque tu pourras, évidemment, jamais. Et au plus tu crois te rapprocher du passé, revenir, sortir du territoire des morts, hein, au plus, évidemment, tu seras sanctionné durement. Et c'est pas innocent, évidemment, que il meurt exactement au moment où il sort la montre de sa femme, tentant de renouer avec quelque chose. Parce que qu'est-ce qu'il maintient vivant Bruno Kremer et les autres ? Évidemment, c'est cette idée d'avancer, d'avoir totalement supprimé ce qui s'est passé auparavant. Et dès que le passé ressurgit, il provoque, d'une certaine façon, la mort du personnage. Mort symbolique ou mort réelle, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque... Et le film est rempli, on pourrait dire, de petits détails comme ça. Et alors, le personnage qui danse... pour moi, et je pense qu'on peut le dire de différentes façons, il peut n'avoir aucun sens. Et c'est peut-être le plus fort d'ailleurs, le côté réalisme magique. Il y a des choses qui nous échappent, des forces incontrôlables, des gens, des rituels, des façons d'être qui nous échappent. Il ne faut pas chercher à les comprendre. C'est aussi ça la beauté de ce film-là, c'est qu'on sent qu'ils sont dans un monde qui les dépasse. C'est beaucoup plus fort. Hein. Et on voit bien que leurs tâches, on a presque par moment le sentiment d'être devant Fitzcarraldo. Hein. Je vais construire un opéra en plein cœur de la jungle amazonienne. Voilà, et on sent qu'il y a des moments où les tâches auxquelles ils sont contraints d'accomplir, elles sont démesurées à l'échelle humaine. Hein. D'où le côté herzogien. On sent qu'il y a une autre couche dans le film. Si on est à un niveau strictement humain réaliste, bof. Mais le côté magique... Hein, la puissance magique du film vient aussi évidemment de ça, cette espèce de présence permanente d'un surniveau, on pourrait dire, magique. Donc, nous, on a tendance à vouloir tout interpréter en se disant, bon, alors voilà, le tel personnage, hein, et puis lui, celui qui danse. Alors moi, je pense que c'est plus beau si on l'interprète pas. C'est plus beau si on ne comprend pas ce que fait ce bonhomme, par exemple. Voilà. Et je ne sais pas, parce que je n'ai pas à savoir. Et les personnages ne savent pas non plus. Ce type, il est là, il danse, est-ce qu'il nargue, etc., etc. Ou alors, c'est une espèce de déclinaison permanente. On peut se dire ça. On peut se dire que tous les personnages un peu énigmatiques du film, la femme, le type sous le feuillage pluvieux, l'homme qui danse, ce sont des signes prémonitoires ou ce sont des moments où le destin dit va par là. Hein, c'est au moment où le destin fait retour. Hein, l'autre, il dit, veut pas répondre
Hein, c'est vachement intéressant. Ça, il ne veut pas répondre sur l'endroit de la bifurcation. Est-ce qu'il faut aller à droite ou il faut aller à gauche? Et l'autre, on pourrait considérer que c'est une forme de, c'est un peu le destin qui narque ces personnages, qui sont eux à l'occidental, sur leur camion, en train d'avancer, qui pensent que si on y arrive, on va s'en sortir, on aura de l'argent, on va, etc. On va échapper à notre destin qui est inscrit depuis le prologue du film. Et eux, oui. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, oui, et oui, mais enfin, il répond pas à la question, c'est vrai. Mais il ouais. Oui, mais, oui, oui. Non mais. Tu rentres chez toi et bien sûr. Bien sûr. Pumas est mort, tu oui. vois. Oui, mais parce que je voulais pas tout de suite être sur le terrain symbolique. Oui, je suis bien sûr. Il dit ça. Bah oui. Enfin, il y a des indices quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on lui dit est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche, il ne répond pas sur la question qu'on lui pose. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, qu'est-ce qu'il répond après? Il répond honnêtement. Il répond à l'adresse de qui? Mais même pas, il répond. Ouais. Ouais, oui, mais c'est moins. Ouais, peut-être. Mais je trouve ça moins fort, je suis d'accord. Mais c'est moins fort que si on dit rentre chez toi, lui ne pourra le comprendre qu'à la fin. C'est-à-dire que quand Roy Scheider entend, disons, les personnages, peu importe, il entend rentre chez toi. Pour moi, c'est à l'adresse du spectateur d'abord, parce que lui commence à comprendre que ce n'est pas le même niveau. L'autre, il est en train de transporter son camion, il n'a pas envie d'entendre parler philosophie avec un type qui vient de... Non, c'est à droite ou à gauche, rentre chez toi, non. Bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du déroulement du film, à la fin, on peut se dire qu'il a compris ce que l'autre lui disait. C'est pour ça qu'il danse avec la femme. Parce que c'est chez toi, c'est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que... C'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que la Roy Scheider ne dit pas à la fin, pour moi c'est une des plus belles séquences du film, du cinéma de Friedkin d'ailleurs, il ne se dit pas « Ah, ça c'est chez moi », mais c'est chez lui. Chez lui, c'est cette espèce d'endroit avec cette femme-là qui l'attend, cette femme elle l'a attendue. Tu vas faire tout ton trajet, tu vas transporter d'un, tu vas croire que, etc., etc., mais au fond c'est là que tu vas revenir, parce que chez toi, ça veut dire chez les morts, c'est là. Et donc, on peut, il y a plusieurs lectures possibles, c'est pour ça que mais, pour moi le seul... et d'ailleurs j'en parlais avec Jean-Paul tout à l'heure, pour moi le seul risque de sorcereur c'est de rentrer dans une espèce de logique herméneutique folle. Vous voyez, et parce que le film prête un peu le flanc à ça. Enfin, à la fois c'est très bien, mais il faut le garder pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, dans le film, tout prête à interprétation. Et le lézard, et le cadavre, et les calcinés, les machins, et là, oui, l'Amérique, le capitaliste, le dictateur installé par, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que le film, il est... Enfin, moi, il m'a toujours semblé que les films qui étaient à un niveau existentiel ou métaphysique sont plus forts que les films politiques. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a du politique dans le film, évidemment, Friedkin a mis des choses. On sent que par rapport à la situation de l'Amérique des années 70, aux interventions au Chili, Nicaragua, bien sûr qu'on peut voir tout ça. Mais... Au fond, ça, avec le temps, en fait, on doit presque l'oublier. Je pense que le film est plus fort. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais je pense que sa dimension universelle... D'ailleurs, c'est presque un film muet. Je veux dire, je pense que Sorcerer, vous enlevez les dialogues, vous gardez la musique de Tangerine Dream, etc., etc. Mais c'est un film qui n'a quasiment pas besoin de dialogue, me semble-t-il. Enfin, je pense qu'on pourrait presque imaginer... comme va le faire George Miller avec Mad Max, on pourrait presque imaginer, c'est une version comme ça, pas muette, hein, mais une version sonore, mais sans dialogue de Sorcerer. Avec un ou deux cartons, ça suffit. Ils sont là au début, Jérusalem, Veracruz, etc. Et dans réfléchissant, je ne sais même pas quel est le dialogue qu'il faudrait garder. Sauf peut-être celui-là. Il n'y en a qu'un, ça serait assez beau, cela dit. Oui, c'est oui. Oui, quand ils choisissent les pierres, on est dans un muet où j'ai eu même l'impression tout d'un coup que tu n'avais même plus d'ambiance sonore, un peu comme tu peux les avoir dans M le Maudit, que j'ai revu récemment, où tu as des moments de silence total, mais sans son d'ambiance. Et cette scène, j'ai trouvé ça incroyable par rapport à la notion de film muet. Cette scène, tu as l'impression d'un silence complet. Mais artificiel. Il y a des grandes séquences dans le film où on oublie que les personnages savent parler. Ou que c'est plus vraiment l'enjeu. Hein. C'est la fameuse séquence du pont, par exemple. Je veux dire, elle se passe de. Et moi, j'aime bien l'idée d'ailleurs que les personnages viennent, ne parlent pas leur langue. Ça crée aussi
sauf encore une fois Rorschacher, et encore Rorschacher non, bien. Mais ça crée une étrangeté hein, que je trouve assez belle. Oui. Après, il faut que je répète à tout le monde, il faut que je synthétise ce que vous avez dit. Oui, juste deux, trois trucs. Moi, il y a un truc qui m'a, par rapport à l'histoire où l'angoisse naît quand ils n'avancent pas, il y a quelque chose qui m'a frappé à la fin, c'est quand il arrive zigzagant en portant sa caisse. On a l'impression qu'il franchit une ligne d'arrivée. Ça m'a fait beaucoup penser à On achève bien les chevaux, en fait. Michael Sarrazin qui zigzague sur la piste pour un truc qui est complètement vain, quoi, finalement, à l'arrivée. Il y a un autre truc dont vous n'avez pas parlé, qui est quand même super frappant dans le film, et qui, à mon avis, a bien plombé le film dans son aventure commerciale, c'est le choix des gros plans systématiques. C'est quand même sur un film comme ça, qui peut être une forme d'épopée, quoi, faire des gros plans plutôt que de faire des plans larges très hollywoodiens, c'est quand même super casse-gueule. Et donc, du coup, on est vraiment sur une vision de... On est vraiment centré sur le tréfonds des personnages. Et on est vraiment complètement là-dedans, quoi. Qui est vachement... C'est un côté vachement envoûtant, quoi, du coup. Hein. Bah oui, je suis d'accord. Mais après, oui, gros plan. Mais une fois qu'on s'est dit que c'était pas une syntaxe classique au sens où... Alors je pense à ça parce que le production designer du film John Box, c'est le production designer des films de David Lean. Je ferme la parenthèse. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le style de Friedkin, c'est ça. Hein. Enfin, je veux dire, quand si vous revoyez aujourd'hui French Connection, vous regardez To Live and Die in LA, enfin tous les films qu'il a pu faire, notamment des années 70, c'est quelqu'un qui a été formé au reportage, au documentaire, au direct, à la télévision, à la prise sur le vif, ce qui est aussi une marque stylistique de l'époque. Donc oui, enfin en même temps, moi je me dis que par rapport aux deux bords du film, on pourrait dire le réalisme et la magie. Bon, dans les deux cas. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que le réalisme fait qu'on est collé aux personnages, c'est qu'on suit leurs actions, hein, effectivement, sous caméra à l'épaule assez fréquemment, etc. Donc ce qui peut donner l'impression qu'on est collé à l'action, qu'on est à l'intérieur des événements, etc. C'est vrai qu'on n'a pas du tout, d'ailleurs avouez que ça jurerait terriblement, le plan d'exposition, d'installation, pour venir de loin, puis on se rapproche, enfin, oui, c'est pas Balzac, quoi. Voilà, ça serait atroce. Donc non, au contraire, on est tout de suite dans les détails qu'on prélève et qui comptent. Hein, je pense que Friedkin est très très bon pour ça, c'est-à-dire qu'il sait vraiment aller en quatre plans. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de revoir le film, vous regardez là, les 10 premiers plans qui installent l'ambiance du village. C'est extraordinaire. En 10 plans, j'ai l'impression de suinter déjà. Alors qu'un mauvais cinéaste... Je veux dire, il n'arriverait jamais à retranscrire ça. Le moment où Francisco Rabal débarque de son espèce d'avion miteux, le taxi miteux, et il arrive en retournant le dollar, l'idée géniale du tumouche qui vient récupérer. C'est, bon, après, il faudrait rentrer dans le détail, mais c'est extraordinaire. Bon, mais en même temps, le gros plan, par opposition à ce que vous pourriez appeler le plan d'ensemble, un peu rassurant, qui installe un paysage. Regardez comme c'est beau, là, on a tourné. Avouez d'abord que le type n'aurait pas compris grand-chose. C'est-à-dire que si, d'un côté, il magnifie le paysage façon chute d'Iguazu, et puis derrière, on va aller montrer des types qui se font massacrer par la chute des puits. Vous voyez, il y a quand même, faut savoir sur quel terrain on joue dans la vie en général. Hein. Et là, en l'occurrence. Donc, un, ça se comprend comme ça. Mais deux, surtout, sur la question, effectivement, du style de William Friedkin. Ça a toujours été comme ça. Hein, c'est William Friedkin, y compris dans la fameuse séquence de poursuite de French Connection. Revoyez-la aujourd'hui. Hein, il va chercher les plans extrêmement précis qui introduit l'idée de vitesse systématiquement. Il y a très peu de plans d'ensemble dans la poursuite de French Connection, qui d'ailleurs ralentirait, bon ça serait trop long, mais moi Walter Hill m'avait expliqué un jour pour quelle raison la poursuite de Bullet, comment elle fonctionnait, comment ça marche une poursuite de voiture au cinéma, c'est génial, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que ça c'est le côté réalisme, l'immersion dont vous parlez, etc., et surtout un peu de teneur éthique, quoi. Je veux dire, bon, il y a un moment donné, faut choisir. Et surtout, je pense que le côté magique permet ça. Le côté magique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prélever à l'intérieur du cadre et de l'espace des personnages, un geste, un insecte, une flaque d'eau, je sais pas, une vitre, un mouvement,
qu'on va sortir de leur contexte. Le magique, il est là dans le film. Attention, hein, il est pas, c'est pas du tout un moment magique parce que quelque chose de magique se produit. Qu'est-ce qui est magique ? C'est le fait que Friedkin, à certains moments, dans la façon dont il met en scène, prélève ou met exagérément en valeur quelque chose dont qu'on ne comprend pas le sens ou comment ça s'inscrit dans le continuum. Il dit, là, un insecte. Ah bon ? Là, ce bonhomme qui est là. C'est-à-dire que le magique, c'est comme l'étrangeté. Vous voyez, c'est une façon de traiter quelque chose qui est totalement normal, comme l'étrangeté freudienne, quoi. C'est comment traiter quelque chose de totalement normal, mais de mettre sur cette chose-là un voile d'étrangeté. Pourquoi ? Parce qu'on lui donne une importance presque exagérée par rapport à ce qu'on attend, ou parce qu'on le met dans un univers qui n'est pas le sien, on le délocalise. Hein, l'étrangeté, on la crée par la position, par le regard qu'on porte, et pas du tout par l'objet. Et dans le film, à aucun moment, on a des moments magiques. Évidemment pas, c'est pas le contenu de ce qui est montré. Mais c'est la mise en scène de Friedkin qui joue notamment avec ça. C'est-à-dire qu'il va prélever au même niveau, voilà, que ça peut être une roue de voiture, le visage d'un homme, un verre de whisky, et puis un insecte, un grillage, une flaque, etc., etc. Tout ça, la magie, elle vient de là. Hein, du fait que les hommes, les choses, les matières, l'eau, les insectes, tout ça, en fait, vibre autour d'une même pulsation. On le sent terriblement dans Sorcereur. C'est le côté herzoguien de Friedkin, enfin, en tout cas, de ce film-là, à mon avis. Quand vous voyez aujourd'hui Aguirre, enfin, souvenez-vous de la fin d'Aguirre avec les singes, bon, bref. C'est qu'on sent qu'à un moment donné, l'homme, il est ni plus ni moins qu'un élément de la nature. Et c'est ce que raconte Sorcereur. Hein, c'est ça que j'aime, c'est l'effet, on pourrait presque dire, d'écart constant entre les hommes qu'on a vus au début, qui étaient des hommes occidentaux, l'un dans son salon du 16e, l'autre dans le Queens, enfin voilà. Hein. Et on les a mis quelque part ailleurs, ce qui déjà en soi est un geste magique, hein, c'est-à-dire qu'ils sont complètement déportés par rapport à leur lieu d'origine, un petit peu perdus, etc. Et là, ils ne seront jamais raccord avec le lieu qu'ils occupent. Hein, c'est ça qui est très très beau, y compris... Enfin, ce grand moment, c'est cette heure et quart de traversée des camions. C'est quelque chose qui est hors norme, qui est pas à l'échelle humaine. Hein, et Friedkin le filme comme ça. La démesure dont on parle, notamment la séquence du pont, c'est pas pour plaisir d'avoir une séquence démesurée, ça n'a aucun intérêt. C'est qu'on sent qu'il y a des forces, hein, on pourrait dire physiques, élémentaires, bien plus fortes autour des personnages et de ce qui se passe dans leur destin et dans le monde que ce qu'on pensait au début. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début du film, on a vraiment un film qui a hauteur d'homme. Hein, au début, on est vraiment dans le reportage. On a l'impression que la type est sortie avec sa caméra, Jérusalem, l'église d'Elisabeth, etc. On est dans des codes beaucoup plus classiques du cinéma américain. Si vous regardez un peu précisément Sorcerer, vous vous rendez compte que la mise en scène de Friedkin, elle va se mettre à changer à partir du moment où ils arrivent dans le village. Parce qu'ils ne prévoient plus les mêmes choses dans le cadre. Alors qu'au début, on est vraiment quatre films de genre. Un drame financier, un thriller, on est vraiment dans des le tueur à gages, etc. Quand on arrive à parvenir, là où on est un peu déstabilisé, c'est que d'un seul coup, on dit on a une vieille femme, mais pourquoi on la filme en gros plan, elle ? Et puis on a un insecte, et puis pourquoi ce type dans la boue, et ce cochon, et cette espèce de type de la douane, etc., etc. C'est intéressant, parce que nous, en tant que spectateurs, et encore une fois, je ne veux pas alourdir le film, mais en tant que spectateurs, il change notre focale. C'est-à-dire que nous, on est contraints, selon la... il ne la change pas dès le début. Il nous dit, OK, il y a un film américain pendant 25 minutes. Hyper efficace, l'homme qui a fait French Connection vous fait le prologue. Voilà, d'accord. Ouais, juste après Yann. Et après, ils arrivent à parvenir. Et alors là, le type a changé. La mise en scène a changé. Et nous, il faut qu'on recale notre regard à cette nouvelle façon de voir les choses. Au début, on était les Occidentaux qui pensent toujours qu'ils sont en hauteur du monde, voire même qu'ils le maîtrisent. C'est totalement auto-centré. Quand on arrive à parvenir, ce n'est plus le cas du tout. Et c'est assez déstabilisant en tant que spectateur. Ouais. Ah, pardon. Ça me fait penser un peu à un thriller qui aurait été réalisé par Jodorowsky. Ouais, alors vous voyez, si vous parlez de Jodo, je comprends. Non, c'est marrant que vous parliez de Jodo parce que j'ai. C'est magique, réaliste. Ouais. Non, ouais, je sais bien. Mais chez Jodorowsky, il y a quand même. Jodorowsky, lui, croit vraiment aux manifestations, on pourrait dire, du magique, des rituels à l'intérieur même du film. Je ne sais pas. Vous voyez des films comme Santa Sangre, par exemple, je ne parle pas de la mort de l'éléphant, etc. Mais il y a quand même dans Santa Sangre des moments où il faut qu'on adhère à cette idée, hein, de la magie qui a lieu, d'une certaine façon. Je pense qu'il y a un côté chez Jodorowsky.
Chez Friedkin, pas du tout. À aucun moment, il nous dit ça, c'est un truc magique, ça, c'est. Non, pas du tout. Encore une fois, c'est la façon dont il va prélever ces choses-là. Mais je comprends ce que vous dites. C'est aussi, à mon avis, dû au côté sud-américain. Je veux dire, le côté chilien, oui, bien sûr. Qu'il y a... En fait, on peut penser. D'ailleurs, je pense que de Jodorowsky, c'est certaines séquences de Santa Sangre. Enfin, pour ceux qui. Vous avez tous vu Santa Sangre ? Qui n'a pas vu Santa Sangre ? Bon, 2017. Non, non, mais ça, il faut vraiment voir Santa Sangre, parce que alors, pour le coup, c'est une expérience assez incroyable. Mais enfin, de Jodo, il faut voir, à mon avis, ça, et puis la danse de Danza de la Realidad, Danse de la Réalité, qui sont peut-être les deux films. De... Mais on sent que dans Sorcerer, il y a un imaginaire latino-américain. Voilà. Ça, on parlait de Garcia Marquez tout à l'heure, c'est qu'on le sent dans, c'est le, voilà, dans tous les plans. Oui, vous voulez dire un truc, monsieur ? Oui. Je me demandais si c'était pertinent de voir qu'il y avait différents types d'enfer dans le film, un enfer vert, un enfer du crime et un enfer de la machine. L'enfer vert type sud-américain. Il y a et d'autres options. L'enfer de la machine, l'enfer du crime. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont, ils ont tous des expertises là en bombe, l'autre au pistolet, l'autre en fraude fiscale et le dernier en pilotage, et que c'est ces expertises qui leur permettent aussi de traverser l'enfer vert. Et aussi sur l'enfer Dionysia, qui sont de la machine, le lien organique avec les véhicules, ils l'ont déjà avant d'arriver à la forêt, puisqu'ils... Après avoir posé la bombe, ils montent dans le bus. Avant de commettre l'irréparable, ils se suicident dans la Porsche. Scheider se plante dans la bouche d'incendie, etc. Donc il y a quand même une... Pas une magie, mais quelque chose des forces qui traversent, qui sont avant et après l'arrivée à Port-Venir. Et pour rebondir sur l'effet magique, quand ils sont à Boulogne à déjeuner, l'une des trois, quand ils sont trois à table avec Bruno Kremer, l'une des femmes dit le homard est très bon à Veracruz. Veracruz, c'est la scène, enfin deux tableaux avant. Donc il y a une prémonition, il y a on communique entre dans l'espace-temps. Et puis la femme de Bruno Kremer porte un pendentif qui, à mon avis, si j'ai bien reconnu, elle est effigie de la compagnie pétrolière. Donc oui, il y a de la prémonition. Je ne sais pas si cette partie-là est paradisiaque par rapport à l'enfer. Mais... Et, bien sûr, non, mais c'est vrai. Et en même temps, il y a aussi cette phrase qu'elle prononce, la femme de Bruno Kremer, lorsqu'elle dit, lui en train de s'habiller dans la salle de bain, vous savez qu'il y a une phrase, en fait, une des deux, trois phrases clés du film. En même temps, je n'aime pas dire ça, parce que ça fait tout de suite, j'ai l'impression que ça clignote. Mais lorsqu'elle lui raconte l'histoire de cet homme militaire à la retraite qui doit décider, là encore, il doit choisir. Voilà, même l'idée du choix, elle est quand même à travers cette... ce récit qu'elle écrit. Et donc, elles lui disent ce que va faire ce type-là. Et Bruno Kremer, qui est dans la salle de bain, dit finalement, bon, bah, l'homme, voilà, c'est juste un type qui fait son boulot de militaire, etc. Et elle a cette phrase assez belle, elle dit, bon, personne n'est quelque chose et rien d'autre. Voilà. Et le film, on s'en creuse. Ouais, ouais. Ouais, alors là, faut commencer à se méfier, vous voyez. Non, non, mais je veux bien, mais on serait en Doug 1 ou en Doug 2, je vous dirais, allez-y, Cooper 2 dans le miroir, c'est parti, mon kiki, écrit 10 pages. Mais il y a un moment donné, vous voyez, il ne faut pas faire attention à ça, hein, parce que c'est, ça tue le film et puis ce n'est pas ça. Vous voyez. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Bon. Non, mais vous, j'accepte ce que vous avez dit. Non, mais je veux dire par là, la circulation, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais elle est suffisamment discrète, vous voyez ce que je veux dire, pour pas clignoter, pour pas écraser du tout le film. Vous avez raison, c'est vrai qu'il y a quelque chose inscrit. Alors, le coup de l'homme et de la machine, je suis moins convaincu par ça. Je comprends ce que vous dites, pourquoi pas. Mais, mais vous savez, le destin, c'est le sort et c'est aussi l'ironie. Ça veut dire qu'il y a aussi, rétrospectivement, quand on revoit Sorcerer, on peut très bien se dire, le coup des homards de Veracruz, quelle ironie du sort. Voilà. Vous voyez, moi je préfère, alors, si j'ai à choisir, je préfère me dire que rétrospectivement, Friedkin se sert de ce dialogue comme une forme d'ironie du sort. Hein, et pas du tout comme la preuve d'un destin qui est déjà inclus et qui va s'accomplir. Mais je suis d'accord avec vous. Hein.
Je voulais juste ajouter aussi la scène, le décor lunaire, à la fin où il perd un peu la boule. La scène lunaire à la fin où il traverse les derniers miles et tous ces enfers s'entrechoquent. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la conjugaison la mise en relation des différentes qualités criminelles des uns et des autres, mais en l'occurrence, ça ne permet pas de s'en sortir. Hein, mais c'est vrai qu'ils ont tous, effectivement, il y a tous quelque chose. Mais en même temps, comme la question de la morale n'intéresse pas Friedkin, si on a une lecture comme ça, vous voyez, c'est que ça serait intéressant si on avait un moraliste qui nous dirait, mais attendez, quand même, les types qui sont là, ces quatre-là, ils se mettent ensemble et pourtant ils sont tous du côté de obscur de la force. Quoi. Voilà d'où ils viennent. Friedkin, il a toujours dit, Friedkin lui-même, je n'ai pas de boussole morale. C'est une phrase de Friedkin, je n'ai pas de boussole morale. Donc, il fait ses films en fonction de ça. Hein. Et on voit bien que cette question du passé criminel, sachant qu'il y a, je veux dire, les criminels ne sont pas les mêmes, qui nous dit, par exemple, que Francisco Rabal est un tueur à gages qui a fait ça uniquement pour tuer un type qui était bien? Qui nous dit que le type qui a tué n'était pas un autre criminel? Enfin, vous voyez, ça, tout reste extrêmement ouvert, mais on sent que la ligne éthique n'est pas du tout une ligne qui intéresse Friedkin. Friedkin, c'est un cinéaste qui est fasciné par le mal. Hein. C'est ça qui l'intéresse. C'est un grand amateur, son idole c'est Fritz Lang. D'ailleurs, il a tourné en 73 un documentaire sur Fritz Lang. On va plutôt précisément, il est allé voir Fritz Lang, alors installé à Hollywood. Il a filmé un long entretien avec lui. L'idole, pour comprendre William Friedkin, il faut voir les films de Fritz Lang. C'est vraiment ça sa clé. Et parce qu'il est fasciné par l'homme qui a fait Mabuse et M. le Maudit. Hein, et puis Fury. Hein, ce moment où justement la morale est extrêmement bousculée parce qu'elle est remise en doute. Dans Fury, par exemple, je sais pas, vous avez peut-être ce film-là en tête. On est expert sur Tracy, puis à un moment donné, le type devient quand même incroyable. Il se venge, il est prêt à faux témoignages, etc. Jusqu'à quel moment on va suivre ce type? Et ça, Friedkin adore ça. Hein, Friedkin, c'est vraiment le cinéaste qui nous... Jusqu'à quel moment on va se laisser fasciner, tenter par le mal, et voilà. Et c'est, quand il dit j'ai pas de boussole morale, c'est que c'est pas ça qui l'intéresse. C'est notre capacité, on pourrait dire, à résister au mal tout en tenant compte du fait qu'il est parfaitement fascinant. Et donc c'est pour ça que c'est un cinéaste totalement languin, Friedkin. C'est pour ça que l'idée qu'au départ ce sont des criminels, des escrocs, d'abord Friedkin ne les juge pas du tout, et on sent qu'il s'en fout un peu. Il s'en sert, à mon avis, plus avec Wallon Green qu'en un argument scénaristique. Pour quelles raisons ces types-là doivent fuir? Et c'est sérieux, voilà. La prison, la vengeance, etc. Je pense que c'est plus ça que pour mettre sur des rails, hein, vous voyez, d'une lecture un peu morale, la suite du film, en nous disant, et en plus, ces types-là sont des criminels. Bon, si on gratte, on est tous des criminels. De toute façon, ça, c'est l'idée de Friedkin. Si on gratte, on tombe toujours sur du mal chez n'importe qui. Donc c'est pas ça qui, c'est vraiment un cinéaste dont c'est le sujet principal. C'est pour ça que quand il fait French Connection, par moment, la frontière entre les flics et les truands, elle est plus que floue. Hein. Et même à la fin, quand même, Popeye Doyle tire sur un flic. Alors, voilà. C'est pas du tout... Alors, s'il y a bien... D'où, d'ailleurs, j'en ai pas parlé là, mais un des problèmes pendant longtemps qu'a eu aussi Friedkin avec une certaine critique américaine, une critique de cinéma. Hein, c'était pas Don Siegel d'Ortiari, mais pas loin. Hein, Friedkin a souvent été considéré comme un cinéaste un peu droitier, un peu hardcore. Quoi. Le type, évidemment. Je veux dire, les cinéastes qui s'intéressent au bien et au mal, qui ont une boussole morale, c'est les cinéastes de gauche. Les cinéastes qui se disent où est la boussole morale sont les cinéastes de droite, de fait. Donc Friedkin est un cinéaste de droite, et c'est à l'américaine. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui a souvent coincé dans les années 70. Ça, hein. Je veux dire, on sait souvent de William Friedkin, un type jusqu'au récent film, d'un seul coup, le titre m'échappe, avec Tommy Lee Jones. Trois enterrements de... Non, le film de William Friedkin, Dans l'enfer du devoir. Non, Dans l'enfer du devoir. Ouais, qui est un film où il se met dans une position d'inconfort incroyable. Hein, je veux dire, bon, pareil. Et on voit que Friedkin, il va toujours là où ça fait mal, là où on a un problème moral. Hein, il nous dit pas, encore une fois, c'est pas Costa Gavras. Hein, il va là où c'est compliqué. Voilà. Ouais, on parlait de gros plans tout à l'heure. Il y a une chose chez Friedkin que j'aime beaucoup, c'est plutôt l'utilisation de la longue focale, en fait. Ouais. Et déjà dans L'Exorciste, mais dans ce film aussi, ça, c'est un des trucs qui me frappe. J'ai l'impression que les personnages sont complètement englué à chaque fois par ce côté écrasant de la longue focale. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui distingue un peu son style, en fait. Et c'est vrai, si ce n'est que d'abord... Alors, vous avez raison. Cela dit, je pourrais vous dire que c'est un style qui se développe terriblement dans les années 70 et qu'il y a un maître de la longue focale, c'est Robert Altman.
C'est-à-dire que le grand cinéaste de la longue focale, c'est Robert Altman. Mais je suis d'accord. Mais si vous voulez, là, si vous êtes un amateur de longue focale, allez voir les films d'Altman. Là, vous en aurez pour votre prix. Mais c'est vrai. Bon, les amis, je crois que c'est l'heure de clore ce cycle. Je vous remercie, vraiment. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour un cycle tout aussi pop et classique, donc autour de John Ford. Voilà. Passez de bonnes vacances.